Quand le mettre au fond. Salut les amis, salut tout le monde, c'est mardi, c'est Passe ton ballon. On est ensemble pour un peu plus d'une heure d'émission. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon, votre rendez-vous foot et OM hebdomadaire. C'est la 16e de la saison ce soir et c'est la dernière de l'année 2021. Et oui, une année durant laquelle vous nous avez été fidèles. Donc on vous remercie sincèrement pour tout votre soutien et on vous réserve encore de belles émissions pour 2022. On espère que ça vous plaira, on espère que vous serez encore au rendez-vous comme d'habitude. Donc merci à tous et on vous souhaite d'ores et déjà une excellente nouvelle année. Comme chaque semaine, eh bien, je suis entouré de mes fidèles acolytes, à commencer par notre technicien en chef qui va peut-être tout quitter pour se lancer dans l'acting après sa superbe prestation en tant que figurant dans un clip de R&B assez moyen, disons-le. Bonsoir, Idriss. Mais il ne faut pas déclarer ces choses comme ça. Quand je vous envoie un truc où je vous dis « Tenez, dites à personne », ben ne dites à personne, ne le dites pas aux 800 personnes qui vont écouter ce live. Attends, t'as envoyé le lien, donc j'ai regardé. Mais je t'ai envoyé le lien à toi parce que t'es mon ami dans la vie. Franchement, je trouve l'info terrible. Alors, je vais raconter vite fait, parce que maintenant que Mathieu a raconté, il faut raconter. En fait, j'ai un ami qui est réalisateur de clips pour plusieurs artistes. Et là, il réalise un clip pour un artiste un peu mineur. Et il m'envoie un message pour me dire, écoute, il y a une bonne ambiance sur le plateau, il y a grave à manger et tout, la prod est lourde. Viens passer la soirée avec nous. Et donc moi, vu que je suis un radin, et que j'ai pas grand-chose à faire dans la vie, je dis, bon, vas-y, j'y vais. Donc je vais sur le tournage, et puis sur le chemin du tournage, je reçois un message. Est-ce que tu peux ramener une chemise pour quelqu'un, pour un acteur du truc? Donc moi, je dis, ok. Sauf qu'en fait, je me retrouve dans un guet-apens où l'acteur pour qui la chemise était, c'était moi. Et du coup, on m'a demandé de tourner dans le clip. Et du coup, j'ai tourné dans le clip, c'était en avril dernier. Et le clip est sorti là, cette semaine. Et voilà quoi. S'il y a des cracks dans notre audience qui arrivent à trouver le clip. Parce que le rappeur, il fait pas beaucoup de vues. Donc non, c'est impossible à trouver, je pense. Mais belle prestation, ouais. Hein, belle chemise. Ah, époque Far West, j'étais dans mon délire. Je suis un cow-boy. Avec nous également, un homme capricieux qui a mal tenu à jour son tableau Excel dans lequel il organise toutes ses journées, son emploi du temps, sur les 45 prochaines semaines et qui du coup nous a fait changer de date plusieurs fois pour l'émission de ce soir. Bonsoir Ama. Bonsoir Mathieu, bonsoir tout le monde. Non, je ne devais pas être là ce soir, même si je vous aime beaucoup, mais il y a eu une imprévue de dernière minute d'une personne avec qui je devais passer la soirée, donc je suis là. Et c'était l'agent de Youssef Belaïli, dis-le. Non, déjà laisse-moi garder de l'énergie avant la CAN qui aurait commencé très bientôt. Je n'évoque plus l'équipe nationale jusqu'au 9 janvier. D'ailleurs, il faudrait qu'on fasse 10 plutôt, je crois, on commence. On avait dit qu'on ferait une émission avant la CAN, les gars. Bah écoute, à la base, on devait avoir deux internationales comoriens. Deux internationaux comoriens. Un, pour le coup, a eu quelques petits problèmes familiaux, il a dû annuler. Et le deuxième a été retenu par son club. Donc on la fera sans doute après, si on fait une émission spéciale sur les Comores. Mais l'émission spéciale pour la CAN, on le fera peut-être la semaine du lancement avec Azir, avec Nordine, avec tous les copains, avec Mohamed, Bradji, s'il est dispo, tout ça. Bon bref, pendant la CAN, Passe ton ballon vous offrira du contenu de qualité. Voilà, donc soyez au rendez-vous. Avec Mansour aussi, j'ai oublié Mansour, le copain. Oui, tout à fait, qui est venu nous voir pour l'émission de Jean Barthes. Excellent, allez l'écouter. Voilà, tout à fait. Et enfin, toujours avec nous, la nouvelle pépite de la gastronomie française, si l'on en juge la photo du superbe burger qu'il a tweeté ce midi et que je vous admirer sur le live de Twitch. Magnifique burger. Bonsoir, Merlo. Bonsoir à tous les amis. Franchement, sur mon jeu par rapport à ce burger, l'opinion pour soir demain va être catastrophique. Non, franchement, tu sais quoi? Il donne envie. Tu sais pourquoi? Parce que ça se voit que c'est un burger maison, tu sais, mais il est simple mais efficace, tu vois. C'est... Franchement, je t'apprécie, ça me fait plaisir, mais t'as pas de goût. Ah, parce qu'il y a claqué. Franchement, j'allais le dire, le pain, j'ai soif, rien que de le voir. Le pain, il a soif, tu vois, il a soif. Ah ouais, ah, le pain, il me donne la dalle, mon frère. Mais Merwan, je pense qu'il a fait le taf, non? Quand tu l'as mangé, t'étais content. Comme j'ai dit, ce burger-là, je l'ai appelé Olivier Giroud, il a aucune dégaine, mais qu'est-ce qu'il est efficace. Les amis, c'est le jour J, quelle merveilleuse manière de terminer cette année de Passe ton ballon. Je vais laisser le burger sur le live. La photo du burger est sur le live Twitch pour ceux qui sont avec nous. La fin de notre top 30 des joueurs de l'OM 21e siècle, c'est ce soir. C'est l'ultime épisode de cette
cette mini-série qu'on vous a proposée ces dernières semaines. On va enfin vous révéler nos 10 joueurs les plus marquants à l'OM depuis l'année 2000. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir dans le chat, sur Twitter, nous envoyer vos tops. Il va y avoir du débat, il va y avoir de la baston. Alors pas forcément sur l'identité des joueurs, mais plutôt sur les places auxquelles ils figurent, vous allez voir. On attend vos réactions, on attend vos commentaires. Beaucoup de choses à dire ce soir, donc sans plus tarder, passe ton ballon, saison 2, épisode 16, c'est parti, Idriss Jingle. Le top 30, les gars, c'est la fin, ça y est, ce soir, ça y est, on y est. On a fait deux émissions pour les 20 dernières places. Et ce soir, c'est le top 10, enfin. On arrive au bout de cette série qui aura déchaîné les passions. Hein. On s'est pris de nombreux tweets sur l'absence de Lassana Diarra. La présence de Bonnard. Il y a eu beaucoup de débats. La présence trop haute de André Ayew selon Samir. Tout à fait, oui, c'est vrai, tout à fait. Samir qui a déposé une main courante après ce classement. Hein. On est toujours en attente de décision de justice, mais bon, on ne te remercie pas, Samir. Non, mais les gars, c'était franchement, avant de débuter sur. Vraiment sur le classement, c'était sympa à faire, c'était un exercice, on l'avait dit dans le premier épisode, quand on avait fait les places 30 à 21, c'était un exercice quand même assez difficile, et vous allez voir là, les 10 premières places, il y a du très très costaud, et comme on avait dit, l'identité des joueurs sur ce top 10, c'était assez simple à trouver, par contre ça a été très difficile de les classer les gars, hein. Ça a été très très compliqué. Il y a eu de grosses polémiques, je crois que globalement, la particularité de ce top 10, c'est qu'on était globalement tous d'accord sur les noms à y mettre, mais la hiérarchie, elle diffère, et parfois pas uniquement dans les petites mesures, et je pense que ça va donner une émission assez salée, assez mouvementée. Non, ça va être compliqué, ça a été compliqué. D'ailleurs, n'hésitez pas encore une fois, quand vous allez au fur et à mesure, qu'on va vous divulguer les noms, de réagir dans le chat. Alors, je vais faire un petit rappel des critères qu'on a pris en compte. Donc, on a pris en compte les performances, évidemment, le niveau des joueurs, la personnalité, les résultats collectifs dans les saisons auxquelles ils ont participé, l'effet marquant éventuellement, si certains ont participé à des grandes soirées européennes, par exemple, ou à des finales, ou à des grands matchs face au PSG, face à Lyon. Bref, il y a quand même pas mal de critères qu'on a pris en compte. Et encore une fois, on va le répéter, c'est pas les meilleurs joueurs. C'est ceux qui nous ont le plus marqué, ceux qui ont été, disons, les plus... Le terme les plus grands, voilà, les iconiques. Par exemple, là, dans ce top 10, il y en a un qui n'a passé qu'une seule saison et il est très proche du podium, voire sur le podium, pour vous donner une idée. Voilà, pour ceux qui... L'application SofaScore ou Score de Football Database ne sert à rien dans ce top. Non, voilà, c'est purement subjectif et c'est purement presque de l'affectif aussi. Ah, après, certes, mais je défie quiconque de ne pas avoir les mêmes 4 premiers que nous quand même. Ah non, bah oui, après. Après l'ordre, ok, mais les 4 premiers noms, après vous les mettez dans l'ordre que vous voulez, mais devraient être les mêmes pour tout le monde, je pense. Logiquement, oui. Pour tous ceux de sensé. Il y en a un dans l'équipe qui n'a pas eu le même top 4 que les 3 autres. Je balance. Mais... Quelqu'un de sensé. C'est moi, non ? Ben oui, c'est toi. Ah, tout à fait. Ouais. On en parlera. Je voulais pas cramer les blazes. Après, il y a quand même quelqu'un qui a mis. Bref. Non, je. Alors, on va partir sur les débats, les gars. Donc, on a déjà fait les places 30 à 21, donc c'était l'épisode 11. On a fait les places 20 à 11, c'était l'épisode 13. Donc, vous pouvez les écouter. Si vous n'avez pas encore écouté cela. On vous conseille quand même d'écouter d'abord ceci avant d'écouter l'épisode de ce soir. Comme ça, vous avez tout le classement en intégralité. Je vais faire un petit rappel quand même très, très rapide du classement. Alors, on avait 30e Rolando. Donc ça avait suscité du débat, ça aussi. Tiens, il y avait pas mal de gens qui nous avaient chopé par le callback là, sur Twitter avec Rolando 30e. 30e Rolando, 29e Laurent Bonnard, 28e Franck Leboeuf, 27e Lucas Ocampos, 26e Bouba Camara, 25e Cédric Carasso, 24e Mika Pagis, 23e Nicolas Nkoulou, 22e Brandao, 21e Van Buten. Et ensuite, c'était de la 20e à la 11e place. On avait Habib Bey, 20e. Djibril Cissé, 19e. 18e Souleymane Jawara, 17e Luis Gustavo, 16e Gabi Heinze, 15e André Ayew, 14e Tai Taiwo, 13e André-Pierre Gignac, je crois que ça avait gueulé là aussi, 12e Florian Thauvin, ça avait aussi gueulé dans la précédente émission, et 11e Loric Sana, qu'on avait un peu bâclé d'ailleurs les gars, c'est dommage, hein, Loric Sana, il aurait mérité qu'on s'y attarde un peu plus. Mais ah, bon, on était déjà à 1h30 d'émission, ouais, mais j'ai limite, même moi, j'y avais pensé en la réécoutant, j'ai envie qu'on fasse une spéciale Loric Sana où on débriefe match après match, tous les matchs qu'il a fait à l'OM, pour rattraper cette émission. T'emballes pas quand même, on va faire 2 heures sur chaque match de Loric Sana.
spécial. Alors, ah, contre Sochaux. Non, mais... Je me suis battu vraiment toute la saison dernière pour essayer de l'amener. Là, j'ai lâché les armes cette saison. Mais ouais, faire une spéciale un jour avec lui pour expliquer un peu ce rapport qu'il a avec le club, parce que franchement, par rapport à l'associatif et tout, ça dépasse largement le cadre du terrain et son brassard n'était pas juste là pour signer les feuilles de match. Mais ouais, on aimerait avoir Loïc Sana dans l'émission. Je pense que si dernière il y aura un jour, il y a moyen que je fasse tout ce qui est en mon pouvoir pour que ça soit avec lui. Loïc, si tu nous entends. Après, je sais pas s'il est très loquace avec les médias. J'ai pas trop le souvenir de quelqu'un. Bah, il est intervenant pour une chaîne, je crois, de Chili en Albanie. Oui, il commente les matchs. Il est consultant star pour la Ligue des Champions là-bas. Et c'est notamment lui qui a fait le tirage de la Conference League puisque la finale sera à Tirana. Donc imaginez juste si on a la bonne idée d'aller la gagner. D'aller jouer la finale. Mais oui, il est plutôt loquace. C'est juste qu'il a une petite défiance vis-à-vis des médias français. Quoi. Mais on n'est pas un média français. On n'est pas comme nous. Loric, donc si vous connaissez Loric, passez le message. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Mais... ça serait un plaisir de l'avoir. Les gars, on démarre le top 10. Donc, on va faire comme d'habitude. Je dis à chaque fois le joueur, quelle place chacun nous l'avons mis, et puis ensuite son classement final. Donc, c'est parti. On commence à la 10e place. Ça y est, c'est parti pour le top 10. 10e place, c'est un milieu de terrain que Idriss, toi, tu as mis à la 10e place. Moi, je l'ai mis 13e. Il est chez Amaïs. Je n'arrive pas à le voir. 20e. Il est 20e chez Amaïs. Oh oui, c'est vrai. Avis raciste. Oh là là, qu'est-ce que tu dis. Et il est 5e chez Merwan. Il est très très bien placé. C'est Benoît Chéroux. Benoît Chéroux qui est 10e de notre top 30. Bah tiens, Merwan, tu l'as mis 5e. C'est très très haut. Déclare ta ferme à Benoît. Non, moi je veux que ce soit Amaïs qui justifie cette 20e place. Qu'est-ce que c'est que cette 20e place? Ouais, c'est vrai que Amaïs 20e. Alors qu'en plus, c'est un de ses joueurs préférés. Hein. Il a mis Ben Arfa avant Chéroux. T'as vu, tu l'apprécies en plus. Oui, non, mais en plus, pour le coup, j'ai un maillot de Benoît Chéroux. Même en revoyant un peu mon classement, je me pose des questions, mais c'est peut-être par rapport à son... Qu'est-ce que j'ai foutu? Non, mais en vrai, c'est peut-être par rapport à son poste, quand je vois les noms devant lui. Ouais, c'est... Je sais pas, peut-être qu'il lui manquait un truc par rapport à des buts marquants ou des trucs comme ça, même s'il a joué 300 matchs et que j'adore ce joueur qui, pour moi, aurait mérité... d'avoir au moins une cape internationale. Raymond Domenech, on ne te félicite pas. Hein, il était sur le banc en 2010. Oui. Et contre l'Espagne. Azir qui dit dans le chat, Ben Arfa devant Chéroux, comportement de Nabil Djellit. Ben Arfa, à l'époque, pour revenir vite fait sur lui, c'est tout le truc qu'il y a eu autour de lui, genre le plus grand espoir du foot français, on le vole à Lyon, etc. Et finalement, ça se passe très bien, c'est beau. Pour ça qu'il avait mis par rapport à Chéroux, non pas par rapport à son impact à l'OM. Moi, dans mon classement, j'ai pris en compte aussi tout ce qu'il y avait autour aussi des transferts, du joueur, etc. Et bon, pour le coup, on ne pourra pas dire que Ben Arfa, il manquait de ça. Chéroux était peut-être un peu plus discret. Mais non, moi, j'adore ce joueur. Hein, donc non, je vais plutôt laisser parler Merwan, qui saura donner les arguments et pour lesquels je serai entièrement d'accord, parce que j'ai beaucoup d'affection pour ce joueur. Écoute, moi je l'ai mis 5e parce que pour moi Chéroux c'est quand même emblématique de l'OM des années 2010. En gros, je trouve qu'il a masqué quand même pas mal de choses au milieu de terrain. Pendant des années, il a fait un intérim absolument incroyable, je trouve, à l'OM. Il a été très très bon, jamais exceptionnel, mais il a toujours gardé un certain niveau de performance important en termes d'influence. J'ai le souvenir de matchs où, notamment un match, je crois, c'était à Gerland, où il égalise juste avant la mi-temps. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette frappe un peu claquée qu'il envoie là. Ouais, la faute de Mandouris, c'est sur le 5-5. Oui, ouais, tout à fait. Et ça remet complètement l'OM dans le match, parce que l'OM était à la rue avant la mi-temps. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup de respect. Je sais qu'humainement, pas mal de gens ont eu des problèmes avec lui à l'OM et qu'on n'en parle pas forcément bien. Mais moi, j'ai énormément de respect pour Benoît Chéroux, qui était à la fois un excellent joueur et surtout quelqu'un qui est extrêmement fidèle au club. Donc non, un gros respect pour Benoît Chéroux. Pour moi, c'est un de mes Olympiens marquants de mon éveil footballistique. Il était surnommé le petit syndicaliste, je crois, hein, putain de temps. Donc, il allait voir les réclamations auprès de Didier Deschamps à l'époque. D'ailleurs, c'était pas l'amour fou avec Deschamps. Ah ben pas du tout. C'était un, on peut le dire, un gros soldat de. Dans la querelle, en tout cas, avec José Anigo, Deschamps, c'était un gros soldat de José Anigo.
Oui, Benoît Chéroux, c'était un gros politicard. Hein. Il y en a un qui sera placé, qui devrait être placé pas très loin de la première place dans ce top, qui est aussi un gros politicard. C'est aussi ce qu'il faut pour survivre dans ce club, hein, malheureusement. Hein. On n'est pas dans un club facile, on n'est pas le Bayern de Munich. Donc, il faut savoir tirer les épingles du jeu. Mais rien à voir, mais c'est quoi cette expression? Tirer les ficelles. Waouh, merci, dire. Merci c'est Mathieu. Tirer les ficelles. Tu vois, mon quand j'utilise des expressions, je sais les utiliser. Non, mais je suis très fan. C'est le footballeur qui veut sortir. Ouais, non, mais, mais vraiment, plus, elle venait, mais elle s'est coupée au milieu. Je suis pas très chaleur. Elle s'est coupée au milieu. Mais bref, oui, non, mais joueur exceptionnel pour ce qu'a dit Merwan. Il a tenu la baraque longtemps. Reconnu quand même à sa juste valeur, hein, Benoît Chéroux, élu meilleur joueur de la saison 2009, qui est sans doute une des meilleures saisons de l'OM au 21e siècle. Il est deuxième meilleur joueur de l'année en 2011, derrière André Ayew et devant Benoît Chéroux, et devant Loïc Rémy. Donc quand même, il a en 7 ans, il a fait son petit parcours. La fin est un peu triste, même si elle n'est pas non plus moche. Parce que c'est pas non plus, elle s'arrête pas non plus à la fin d'une saison ou quoi. Il est dans le loft avec Piazza, il est libéré. Quand même, c'est triste. Mais à la limite, il part, il a déjà 34, 35 ans. C'est pas comme si. C'est une fin triste, mais c'est pas non plus ultra dommage, quoi. C'est pas grave. C'est pas un déchirement, ouais. Ouais, moi je suis d'accord avec Hamas, il y a du regret sur son départ quand même. Je trouve qu'il est parti vraiment dans l'anonymat le plus complet. Ah ouais, pour un mec qui a fait plus de 300 matchs à l'OM. Déjà la fin de l'aventure sur la saison 13-14 est déjà pas terrible. Il joue parce qu'on sait qu'il joue, assez proche d'Anigo, il est plus du tout au niveau, il joue sentinelle, il prend vague sur vague. En fait, t'avais déjà envie que ça se termine en fait. Et le fait que ça se termine comme ça, oui, avec le recul c'est moche, mais. Il part dans une période compliquée. C'est pas la saison où on fait 10e en Ligue 1 là ? Non, on finit 6e. Non, il part la saison avant Bielsa. Ouais. Il part la saison juste avant Bielsa. Et du coup, techniquement, il est encore sous contrat avec Bielsa. C'est juste qu'il est résilié mi-septembre. Et après, il part à Toronto. Mais techniquement, il est encore là sous Bielsa. Quoi. Non, okay. Mais c'est. Ouais, c'est moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, ce que j'ai retiens aussi de Chirou, c'était. Pied gauche, magnifique, les gars. Les buts qu'il nous a mis, des superbes frappes. Contre Paris, ouais, ah le bah pied hein. sur Armand, c'est sur Sylvain Armand. Oui, j'ai mis la photo, elle arrive là, on embrasse Damien Dolé. Voilà, elle est là, sur le live Twitch. Oui, Damien Dolé, c'est le mec qui a pris la photo. non, c'est un supporter du PSG, enfin un journaliste de Libération, supporter du PSG qu'on avait reçu l'année dernière et qui voue une haine viscérale envers Sylvain Armand. Donc j'ai fait exprès de choisir la photo pour lui, je le taguerai. Mais son but contre Liverpool avec le contrôle du gauche, remise pied droit de Loris Anna en pivot. Et il arrive devant Reina, plat du pied, sécurité, magnifique. Non, justement, c'est lui qui fait la passe pour Loris Anna. Il fait un super enchaînement. C'est ça. Contrôle du gauche, reprise du droit en pivot. Et Loris Anna arrive, plat du pied, sécurité, but. Voilà, paire avec Loris Anna au milieu de terrain, magnifique. Quand Loris Anna était amené à jouer derrière, il tenait le milieu de terrain avec Karim Ziani, non. Franchement. Puis même buteur dans les grands matchs, hein, il marque contre Paris, il marque contre Lyon, si je dis pas de bêtises, contre Bordeaux. Toujours présent dans les grands matchs aussi, Benoît. La sécurité, l'élégance, l'évidence. Ouais, tout à fait. Benoît Chéroux. Tout à fait. En vrai, par rapport au milieu de terrain qu'on a mis dans ce top, il n'y a personne qui peut dire qui peut mériter une place plus haut. Quoi. En fait, je sais que les plus jeunes vont un peu vont pas comprendre pourquoi ils seraient devant Thauvin ou devant Gignac. Mais oui. Il est devant Thauvin et devant Gignac. Non, mais même quand tu regardes, on a mis par exemple Luis Gustavo 17e. Alors évidemment, je pense que la carrière de Luis Gustavo parle pour lui, mais à l'OM, il y a 7 et 1 an. Oui, 7 et 1 an en comparaison. Tout à fait. C'est ce qu'on vous disait d'ailleurs en introduction, c'est que ce n'est pas forcément le niveau ou la carrière, c'est vraiment le passage à l'OM et tout un tas de critères qui entrent en compte. Donc voilà. Benoît Chéroux, 10e. Je suis en train de revoir la compo du France-Espagne où il a été appelé et où il n'a pas joué. Ça me met vraiment la haine. Ah, vas-y, attends, fais-nous rêver. Qui avait au milieu de terrain, vas-y. T'avais Toulalan, Lasdiara et Gourcuff. C'était un milieu à 3.
Et il ne fait rentrer aucun milieu sur ce match-là. Ben oui, face à l'Espagne. C'est le 1-1 avec Giroud là qui égalise. Non, c'est on perd 2-0. Non, c'est, là tu pars 2-0, t'as Henri, Anelka, Ribéry devant. Juste et la défense surtout. T'as Sané à droite, Siani, Escudé, Evra. Siani, Escudé, Evra. On revient de loin, franchement, on revient de loin. Et après, maintenant, on se dit, ah, mais on a trop de défenseurs. Non, mais les gars, c'est pas grave. D'ailleurs, il y avait Benarfa aussi sur le banc ce jour-là, et lui non plus n'était pas rentré. Souvent à l'époque. Mais en plus, pour conclure sur Chéou, rappelez-vous, il me semble que quand il est appelé là, pour ce fameux match contre l'Espagne, il est appelé pas dans une grande période pour lui en plus. Si, c'est après qu'il plonge. C'est après qu'il plonge. Déjà, dans mes souvenirs, il avait été meilleur avant, quoi. C'est pas la plus belle période qu'il a eu. Les deux meilleures saisons de Chéou à l'OM, c'est ses deux premières. C'est de 2007-2008, 2008-2009 avec Guéretz. Et aussi parce qu'il joue dans un 4-4 de losange. Et après, il est plus amené à jouer dans un 4-3-3 où on lui en demande un peu plus que ce qu'il est capable de faire. Même s'il le fait assez bien. Mais en 2009-2010, il fait un énorme début de saison. Puis, il se blesse un peu, je dirais pas bêtement, mais anodinement. Et là, t'as Caboret qui est titulaire contre Lyon, qui fait un match d'un autre monde. Ouais, exceptionnel. Caboret fait un match d'un autre monde. Et du coup, il perd sa place, parce que tu peux faire sauter ni Lucho. D'ailleurs, j'en ai un peu voulu à Deschamps à l'époque, justement. Je me suis dit, ok, bon, Caboret fait un gros match. Mais merde, Chirou, c'est Chirou quand même. J'étais vraiment déçu qu'il ait été envoyé sur le banc. T'inquiète, Chirou aussi, il l'a eu mauvaise. Hein. Ça explique, ça explique deux, trois choses derrière. Ça a dû lui coûter aussi sa place pour le mondial. Hein. Oui, c'est fort possible. Mais du coup, c'est pour ça qu'aussi, moi j'en avais parlé quand on en avait parlé de l'Orixana la semaine dernière, il y a deux semaines. C'est pour ça que pour moi, ce titre de 2010, il a une petite saveur il a une petite saveur amère, c'est qu'il n'y a pas Chéru et Sana sur la photo, tu vois. Même si Chéru, il est là, il est dans l'équipe. Mais il manque Chéru et Sana dans cette équipe. On conclut sur Chéru, les gars. Rien à rajouter. Il fait un très bon consultant, moi aussi, d'ailleurs. Mais non, voilà. Il est excellent au commentaire. Ouais, très bon consultant sur Amazon. Il regarde la transition. Pour ceux qui sont avec nous sur Twitch, il y a une photo qui fait de suite la transition avec le 9e. Plah. Voilà, magnifique. Magnifique, et oui. Donc ceux qui ont la photo, vous avez compris qui occupe la 9e place. Donc pour ceux qui nous écoutent, je vais faire juste le petit classement des chroniqueurs. Alors je l'ai mis 6e, c'est moi qui l'ai mis le plus haut, ça, alors qu'à l'hasard. Idriss, tu l'as mis 8e, il était 12e chez Ama et 15e chez Merwan. Oh là là, Merwan, 15e. Non, moi je peux argumenter. Mais y a pas oh là là, 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 là. Et donc il est 9e de notre top 30, c'est Lucho Gonzalez qui est 9e du top 30. Vas-y Merwan, on t'écoute, pourquoi si bas, 15e? On t'écoute, bah, tu l'écoutes. C'est un excellent joueur, de football, très élégant, etc. Mais moi, ce qui me dérange, c'est déjà le fait qu'il ait fait une saison. Deux. Seulement une saison. Oh ouais, en tant que, enfin, où on l'a vraiment vu. Moi, je trouve que la saison du titre, celle où il est le plus fort, et encore, je le trouve irrégulier. Mais peu importe, c'est même pas sur le plan sportif, moi, que je le reproche de ne pas être dans ce top 10. C'est, j'ai toujours trouvé un peu lisse là, mais pas là en même temps. Du mal à s'accrocher au personnage. En fait, il fallait vraiment être fan de ses pieds, et ce que je peux complètement comprendre, pour le mettre haut dans le classement. Mais je trouve que la communion avec les supporters, je trouve que les supporters lui ont donné beaucoup, et que lui, en retour, il ne l'a pas donné grand chose au club. Et je trouve qu'aujourd'hui, on lui rend hommage, etc., etc. Mais je pense que c'est un peu forcé. Je pense qu'il y a un peu de forcé de ce niveau-là. Oh là là, voilà. Mais grand joueur de l'OM, pas de problème. Idriss, on t'a entendu, mais on t'a pas entendu, en fait. On a entendu que t'as parlé, mais on n'a pas entendu ce que t'as dit. J'ai dit Mathieu Lafont. Non, mais je peux comprendre l'argumentaire de Merwan. C'est pas le. Bah, tu vois, on prenait l'exemple de Luis Gustavo pour Chirou, on peut le reprendre pour Lucho. C'est pas le joueur qui va haranguer les foules, qui va marquer par son état d'esprit, etc. C'était autre chose. Et il a très bien résumé, Merwan. Tu tombes amoureux de la qualité technique et du joueur oui, qu'il est. Joueur. Et quel pas joueur. Forcément de l'homme, pas forcément de l'homme. Là où, par exemple, un Luis Gustavo, l'homme peut te marquer, alors que c'est peut-être pas forcément le cas de Lucho. Non, moi, je l'ai mis 6e parce que bah, c'est je pense que c'est la plus grosse idole que j'ai eue de ma vie de supporter de l'OM. J'ai rarement été autant marqué par un joueur. En fait, c'est aller au-delà du foot, c'est aller au-delà de l'OM, pardon. C'est qu'il a changé ma manière de voir le foot. C'est lui qui m'a fait aimer les meneurs de jeu, les milieux de terrain, etc. Ça, tu me fais chier avec ah ouais, avant, moi, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 15 ans, 16 ans, j'en avais que pour les attaquants, tu vois. C'était ceux qui marquaient les buts, mais... Du moment où j'ai vu Lucho, bah, je me suis mis à aimer ce genre de joueur. En plus, ce genre de joueur, c'est devenu rare maintenant. Et je pense même que ça va être encore plus... ça va disparaître au fil du temps. Parce que
c'était un joueur extrêmement lent, qui n'avait pas de grosses qualités de dribble, voire même pas du tout. Hein. Je pense qu'on n'a jamais vu dribbler un seul joueur sur son passage à l'OM. Mais quelle vista, putain, quel toucher de balle, quelle élégance balle au pied. C'était magnifique. Franchement, c'était super. Un extérieur du pied hors du commun. Ah, c'était exceptionnel. Oh non, très, 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 très gros joueur. Je me souviens encore de sa passe là, en Coupe d'Europe. Là, la louche. Incroyable. Copenhague, ouais. Il arrive à faire Cabouret, marquer. Non, qui marque, non oui, il a réussi à faire marquer Charles Cabouret quand même. Il n'y avait que lui pour faire ça. Non, non, mais puis ça, la saison où on est champion, il finit meilleur passeur. Alors il y a des pas. Il marque contre Rennes aussi. Superbe but. D'ailleurs, sa célébration, c'est sa plus belle alors que d'habitude. Ouais, il était un peu fermé, comme tu disais, Marouane. Ah, il s'était lâché. C'était le stade en fusion. Il s'est dit, nique sa mère, là. Nique sa mère, la retenue. C'est parti, on est champion. Et voilà. Ah, puis en plus, il arrive. Il y a une grosse attente autour de lui, de par son prix, de par son statut. Et finalement, il se blesse et puis il revient. Il sort un peu. Mais il rappelle-toi, c'est Abriel qui prend sa place. Abriel est pas mal, et du coup on en vient à dire en vrai est-ce que vraiment on va lancer Lucho alors qu'Abriel est en train de tourner à plein régime, tu sais, les débats dont le seul l'OM a le secret. Et après bon non, il a fait taire tout le monde dès qu'il est revenu sur le terrain, mais oui, joueur absolument fabuleux. Oui, je me souviens qu'il y avait des débats à ses débuts. Les gens disaient est-ce qu'il est si fort que ça ? Bon, on l'a payé cher, mais ça tarde encore. À l'époque, il était critiqué. Alors imagine maintenant avec Twitter. C'était le plus gros transfert de l'histoire de l'OM. Oh là là, mais ça serait à l'époque où il arrive. J'imagine maintenant, ce serait horrible. Il y a tout le monde qui serait très de surcoté. Le pastis Twitter là, il serait. Il a le plus gros salaire de Ligue 1 quand il arrive. Il est vraiment en demi-teinte. Il y a ce match fin septembre face à Montpellier. Où il ouvre son compteur, et il fait deux passes décisives. Où là, en fait, ça y est, il est lancé. Ça arrive un peu à la même période avec la Ligue des Champions, les matchs contre le Real et tout. Mais oui, oui. Après, moi, je ne suis pas d'accord sur une saison. Je trouve que la saison d'après, il est tout aussi fort. C'est juste que tu as un OM qui est un peu bizarre. Devant, il y a Gignac, Brandao, Loïc Rémy qui est souvent blessé. Il est moins influent, on va dire. Il se marie moins avec le football d'André Ayou. C'est pas pareil, tu vois. Après, c'est vraiment la dernière saison. Il est vraiment, vraiment pas bon. Non, la dernière saison, mais il est plus là. Les six premiers mois, puis il faut se dire aussi ce qu'il y a. Il y a eu cette histoire du home jacking qui lui a fait plutôt mal. Je retiendrai juste de cette dernière saison ce match face à Paris au Vélodrome de mi-octobre, où, rappelez-vous, à la 7e seconde, il enfonce. Ah oui. Il enfonce, je ne sais plus si c'est Menez ou Pastore. Mais voilà, c'est tout. C'est dommage, on le disait en antenne avec Mathieu. Dans un mois, ça fera 10 ans qu'il est parti déjà. Donc, c'est quand même, ça remonte. Ce qui est drôle, c'est que le pastis Twitter aujourd'hui, ils ont beaucoup en photo de profil de Lucho González, alors que ça aurait été eux qui l'auraient critiqué. Clairement. Aujourd'hui. Oui. Et je trouve ça incroyable. Et autre chose aussi sur Lucho, c'est que c'était un milieu qui marquait beaucoup. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. Oui, ouais, qui était souvent très bien placé dans la surface. C'est ce qui nous très à droite dans ces dernières années. Toujours aux abords de la surface, ouais. Franchement, non. Quel joueur. Très à droite devant le but. Et puis surtout, je l'ai dit pour Chérou, je le redis pour l'autre. Moi, c'est une stat que j'aime bien regarder, c'est contre qui tu marques. Pareil, il a marqué au Parc, il a marqué contre Lyon, il a marqué contre Bordeaux, contre Saint-Etienne, il a marqué contre tout le monde. C'est contre le Real Madrid, contre le Milan AC. Dans tous les gros matchs, il manque le penalty, je crois, contre Real Madrid. Oui, ensuite il marque. Ok. Et il marque contre nous au Vélodrome aussi en 2008. Oui, tout à fait, l'année 2007, d'avant. Ouais. Mm-hmm. En deux ans avant. Ah, moi, je crois que t'as coupé. Non, du tout. J'étais aussi en train de souligner sa capacité à être très souvent aux abords de la surface et même à l'intérieur. Et ce qui a aidé justement l'équipe à marquer beaucoup de buts, et on a très 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 peu retrouvé ça chez les milliers qui lui ont succédé lors de la décennie suivante. Magnifique tireur de coup de pied arrêté aussi. Ça, c'était. Sur les combien 17 passes décisives qu'il fait en 2010, il doit en avoir 10 sur coup de pied arrêté. Hein. Ah ouais, c'était tiré à la perfection à chaque fois. Ouais. Et puis bon, dans l'équipe, t'avais des bons joueurs de tête, hein, entre Mbia, Diawara, Brandao, Niang. Il y avait de quoi récupérer le ballon dans la surface, Edouard Cissé. Non, c'est ça. Les gars, quelque chose à rajouter sur Lucho ? Moi, j'ai beaucoup parlé. Là, c'était ton moment. Un petit truc, comment être aussi moche et avoir autant de charisme ? C'est un délire. Débat parallèle. La notion de moche, je suis... Ah, il est vilain, quand même. Il est pas vilain, mais disons qu'il il exploite son potentiel au maximum. Ah, putain, heureusement. Ce que je disais en antenne, c'est que s'il avait été frustré, ça aurait été un punk à chien.
C'est ça en plus. S'il avait été français, ça aurait été un peu caché. Hein. Mais ce que je disais, merci à l'industrie du tatouage. Hein. Toute la terre, ouais, tout à fait. Hop. C'est bon, les amis, excusez-moi, il y a eu une petite coupure de 10 secondes juste après le pain caché, hein, mais je couperai à ce moment-là. Donc, on peut reprendre. Non, non, oui, oui. Et puis il y a Zir qui disait très justement dans le chat aussi où va ce débat? Où va ce débat? Voilà, pourquoi est-ce qu'on entend le débat sur la physique de Lucho González? Ça a une incidence, hein, parce que je me rappelle à l'époque, il y a des gens qui disaient oui, mais s'il n'était pas tatoué, s'il n'était pas argenté, blablabla, etc. Et, ça, et justement, ça rejoint ce que dit Azir dans le chat. Il nous dit, je pense qu'une partie des supporters, ceux qui ne regardent que l'OM, s'attendaient à avoir un joueur extravagant, dribbleur, percutant. Pour eux, argentin, milieu de terrain, gros transfert, égal, doit dribbler toute la terre. Bah, non, pas forcément. Pas forcément. Il y a d'autres. Tu as eu les mêmes critiques. Exactement. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oui, tu as eu l'inverse aussi à l'époque. Il disait, ouais, Germain, c'est parce qu'il n'a pas des tatouages, sinon c'est à Agüero, limite. Donc, il y avait trois personnes qui disaient ça. Arrête, là, personne n'a jamais dit ça. Ah, si, après, au stand, là ou Domzal, je sais plus contre qui il fait un gros match. Ouais. Ah si, j'ai vu des trucs, des dingueries, j'ai vu. T'as eu l'exact inverse cet été avec l'arrivée de Paulo Lopez que tout le monde a démonté juste parce qu'il n'était pas très bien habillé. Quoi. Il a vraiment passé ce travailleur social. C'est contre, aussi qui prend la place de Mandanda, Paulo Lopez. C'est pas Paulo Lopez, il a travaillé dans une ZAD. C'est vrai. Non, j'ai pas d'argument contraire, c'est vrai. Les gars, quelque chose à rajouter sur Lucho ou on passe au 8e? Non, c'est bon. Oh, c'est bon. Tout a été dit. Ah ben, très bien. Donc, Lucho González, 9e de notre top 30. On passe à la 8e place. Le 8e place. Alors, Idriss, tu l'as mis 5e. C'est toi qui l'as mis le plus haut. Ama, tu l'as mis 6e. Il est chez moi. Il est 11e. 11e. Et je crois que Merwan, je ne sais pas si tu l'as mis. Je ne le vois pas. Non, il n'a pas mis, parfait. Justement. C'est une honte. Il n'a pas mis, non, il a pas mis Merwan dans son top 30. C'est une honte. Mais attendez, que... moi je vous explique pourquoi, parce qu'en fait je n'ai attends, je dis juste que le 8e c'est Fabien Barthez, voilà, je précise qui c'est pour ceux qui nous écoutent. Vas-y Merwan, tu peux. Je n'ai aucun souvenir, j'étais trop petit. J'ai 2-3 bribes, campagne de l'UEFA et tout, mais sinon j'étais trop petit. En attends, fait, t'avais mis Bakayoko 29e, et si j'étais trop petit, écoute, c'est quoi ce bordel? Écoute, quand t'es petit, tu te souviens pas du gardien. Tu te souviens pas du gardien quand t'es petit? Enfin, il y a bref, c'est, enfin, je pense c'est... que... C'est Barthez quand même. Bon, je développerai après, mais... Non, oui. Enfin, je sais qu'il avait joué à l'OM, etc. Que c'est pas de problème, je savais qu'il était là. Mais il m'a pas marqué. Pour moi, le gardien, bah, il était là, ok. Mais Bakayoko, il y avait des jeux, il était là, il n'y a pas de problème. Il mettait des frappes, des drops. Après, il mettait des buts de 30 mètres, tu comprenais pas pourquoi. Et quand t'es petit, ça te marque. Dis-toi que même au PSG, par exemple, je me souviens de Cardetti. J'adore mec, Ah ouais, d'accord, oui. C'est... Bakayoko, je crois que c'est du jamais vu. Mais Bakayoko, 29e, les amis, il a eu son importance à l'OM. L'OM du début des années 2000, tu penses aussi à Bakayoko à ce moment-là. Hein. On va demander au gardien de cette conversation, vu que Idriss, tu l'as, en plus, c'est toi qui l'as mis plus haut, tu l'as mis 5e, Barthez. Hop là, j'avais éteint mon micro. Oui, bah écoute, Merwan disait, quand t'es petit, tu regardes pas les gardiens, parle pour toi. moi, avec la fameuse cassette dorée, là, le parcours de l'équipe de France à la Coupe du Monde 98, que tout le monde a eu entre les mains, ben, écoute, t'as eu une enfance très triste, un peu comme Amaïs, toi tu passais ton enfance devant Euronews. mais du coup, moi je suis tombé amoureux de Barthez, c'est celui qui m'a donné envie de devenir gardien. Et parce que très bon jeu au pied, gaucher, un peu foufou, petit, moi j'ai toujours été petit. Et du coup, je me suis très vite identifié à lui parce que dans le jeu, j'étais pas non plus très très bon. Et quand il arrive à l'OM, pour moi, il était déjà passé à l'OM au début des années 90, j'étais pas né. Et quand il arrive à l'OM en 2003, l'Axel, t'es con. Et quand il arrive à l'OM en 2003. Lisez le commentaire d'Axel après, s'il vous plaît. Vas-y, lis-le maintenant, comme ça je continue ma démonstration. Axel qui me dit dans le chat, Merwan a mis Fabien Camus, mais il a dit Barthez le gardien, il m'a pas marqué. Il a plus marqué en équipe de France, hein, Barthez. Hein. Non, plus par l'équipe de France. Enfin, quand t'es petit, bref, vas-y Idriss. Mais du coup, moi, Barthez, quand il arrive en 2004, enfin quand il revient, pour moi, c'est le gardien de France 98. Moi, je suis un enfant, je suis au 7e ciel, je suis le mec le plus heureux du monde. Il arrive, il est excellent, on fait finale d'Europa League, il fait un match dans mes souvenirs à Anfield
contre Liverpool, un match que j'ai revu depuis, qui est absolument monstrueux. Quand on dit à l'époque il y avait un gardien, un attaquant et 9 défenseurs au milieu, ben c'est exactement ça. Il y a, bon, après il y a eu l'épisode du crachage et ben, la photo, ben, regardez la magie de OBS, la photo qui s'affiche au même moment. Et, contre le Wydad Casablanca. Contre le Wydad Casablanca où il prend 6 mois ou un an de suspension, je ne sais plus très bien. 6 mois. Et du coup il revient octobre 2005, son premier match il de retour. Sur qui à cette époque-là? Sur l'arbitre. Sur un match amical, tout ce qui est plus normal. Local en plus. Tout ce qui est plus normal, c'est un match amical, donc bon, il faut cracher sur l'arbitre. Et... Ouais, mais ce match-là, il s'était pas terminé, je crois. Il y a eu une bagarre générale. C'est une bagarre générale, et Barthez, pendant la bagarre, va cracher sur l'arbitre. Saisi à la FIFA, tribunal arbitral du sport, et tout, et il prend 6 mois de suspension, avec une amende incroyable, je crois, une amende record à l'époque. Il n'y avait pas eu des travaux d'intérêt généraux aussi. Il avait vraiment morflé. C'était disproportionné même. Ah ouais, bah écoute, il n'y avait pas Jean-Michel Aulas à l'époque. Ouais, tout à fait. Mais du coup, oui, moi, c'était mon gardien préféré. Je le vois revenir, je suis aux Anges. 2005-2006, il sauve la saison de l'OM qui n'allait pas très loin ou qui allait pas faire grand-chose. Avec une défense centrale, je le rappelle, André Luiz, Bostian César, Koji Nakata. Respect à Bostian César. Donc bon... Mais oui, Barthez, moi, d'affect, j'avais failli le mettre numéro 2. Mais après, voilà, je suis venu à la raison, je l'ai mis 7. Ama, tu l'avais mis assez haut aussi, toi. Je l'ai mis 6ème. 6ème, voilà. Ça. Ouais, pour compléter ce que dit Idriss, il a souligné l'histoire du crash, mais Barthez, il n'y a pas eu que ça aussi. Juste avant même qu'il arrive, il y avait déjà une histoire. Les plus jeunes ne vont pas s'en souvenir, mais il était à Manchester United. Et l'OM avait décidé, par je ne sais quelle réflexion, de se dire ben, « on va essayer d'acheter Barthez en dehors des périodes de transfert ben, ». Du coup, la FIFA a dit non. Donc en gros, on avait un accord avec Barthez depuis je ne sais plus quel mois. Il n'arrive qu'en janvier 2004. Et quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Premier match de Coupe de France. J'étais au stade, je me rappelle, il y avait des gains au stade. C'était contre Strasbourg. Le pénalty de la victoire, c'est lui qui le marque. Ben ça, c'est Barthez, voilà. Il est jobard et c'est pour ça qu'on l'a aimé, sans oublier en plus le passé glorieux qu'il a eu en 93, parce que c'est le gardien de la seule équipe française qui a gagné la Ligue des Champions. Non, mais Barthez, des anecdotes, il y en a 500, où il appelle Benjamin Gavanon Jérémy pendant 2 ans. la fameuse histoire, le jour de la finale de 93, où il oublie ses gants à l'hôtel et il se fait prêter des gants par le gardien remplaçant du Milan. Il fait la sieste sur le trajet alors que le mec il a 19 ans, il va jouer une finale des champions. Ouais. Ben, je l'ai pas mis dans le diapo, mais quart de finale aller de Coupe de l'UFA, il se retourne alors qu'il y a corner pour l'OM, il pisse sur la pelouse. Mais il est complètement marbré, Barthez. Non, voilà, et au-delà de ça, au niveau sportif, Barthez, avec lui, tu connais une finale de Ligue Europa anciennement en Coupe de l'UFA, tu connais une finale de Coupe de France aussi. Et c'est le gardien de l'équipe de France qui va au Mondial en 2006. C'était clairement l'un des meilleurs gardiens du monde qui débarque dans une équipe qui certes a fait une finale de Ligue Europa en 2004, mais qui n'était pas un cadre européen, on ne va pas se mentir. Donc non, c'est très marquant. D'ailleurs, si pour revivre sa rocambolesque arrivée à l'OM en 2004, comme tu le disais, Ama, si vous pouvez revoir, je pense qu'il y a encore sur YouTube le documentaire « Allez l'OM » qui était passé sur Arte. Non mais c'est des grands moments. Franchement, son arrivée, c'est ridicule comment la manière avec laquelle il arrive. Le club fait n'importe quoi. La manière dont tu traites Vedrano Rougneux à l'époque. Alors, loin de moi l'idée de comparer les deux. Il y a un monde et une galaxie entre les deux gardiens. On est bien d'accord. Mais enfin, le traitement que tu avais réservé à Rougneux, qui avait raté juste 4-5 matchs, il n'avait pas été bon, tu as dit « Ah ouais, t'es nul, on va te ramener Barthez, tiens. » C'était incroyable. Ouais, il avait super mal pris, d'ailleurs. Ah bah oui, on peut le comprendre. Hein. Imagine. Du coup, il était pas bon lors des derniers matchs, mais alors pas du tout. Ouais, mais il y avait même des rumeurs de sabotage. On en avait parlé cet été dans un space avec l'ami Romain Canucci. Il nous avait dit qu'au club, beaucoup pensaient que Rougneux faisait exprès de foirer des trucs parce qu'il savait qu'il allait être remplacé en janvier. Et d'ailleurs, ce match à Strasbourg, on prend 4 à 1, je crois. Délirant. Barthez, juste rappelez-vous des matchs où il gagne limite à lui tout seul, là, le demi-finale. J'ai voulu faire le mec, j'ai oublié. Le quart de finale, pardon, contre Lyon à Gerland en Coupe de France 2006, où il est monstrueux, il y a des arrêts de fou. Là, j'en ai un qui me revient sur Wendell. Jobert, Faubert, oh là là, oh, ça veut pas venir, hein.
Je suis fatigué aujourd'hui. Sur Faubert en Coupe de la Ligue 2006, bon, qu'on finit par perdre à Chabandelmas. Mais bref, voilà, c'était comme l'a dit Hamas, c'était un des meilleurs gardiens du monde qui arrivait dans une équipe qui faisait pas grand-chose en Ligue 1 à l'époque. Quelque chose à rajouter sur Barthez, les gars, ou on passe au 7e? Non, c'est bon. On est bon. On est bon, ouais. Sur Barthez, donc 8e de notre top 30, Fabien Barthez, qui n'est pas le dernier gardien, hein. Il y en aura encore un. Normalement, oui. Normalement, oui, il y a encore un gardien là dans les prochaines places. T'imagines, on l'a oublié. On fait le top 30 de Dimitri Ou. On passe à la 7e place, et là, je pense que ça va faire débat. Pas sur sa présence, mais sur l'histoire qu'a eu l'OM, ce joueur avec l'OM. Il est 5e chez moi, c'est moi qui l'ai mis le plus haut, tiens. 6e chez Idriss, 8e chez Amaïs, et 10e. C'est Merwan, c'est Mathieu Valbuena qui est 7e de notre top 30. Bah tiens, Merwan, tu l'as mis 10e, c'est toi qui l'as mis le plus bas. Bah, écoute, on t'écoute pour Mathieu Valbuena. Ben écoute, j'avais un petit dilemme. Je me suis dit, est-ce que je le mets ou est-ce que je le mets pas carrément par rapport à sa trahison en allant à l'Olympique Lyonnais. Puis je me suis dit que quand même, t'as quand même une période certes creuse pour le club. Mais très très faste pour lui. Je suis extrêmement nul pour la mémoire des années. Je crois que ça doit être entre 2011 et 2014 peut-être. Je ne sais plus. C'est ça? Je sais pas. Ah, la période est creuse pour l'OM et forte pour lui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est les trois dernières années, 2011-2014, où il devient indiscutable et qu'il est même le numéro 10 de l'équipe de France à cette époque. Et il est très très fort à l'OM. Je me souviens de matchs que lui peut changer. Très très gros impact, ça passe avec le public, du respect pour son histoire à l'OM. Il était pas mal entre guillemets harcelé par ses coéquipiers lorsqu'il arrive. Il y a pas mal de blagues, notamment j'ai appris que ses coéquipiers, quand il était à l'OM, ils avaient enlevé sa voiture, ils l'avaient remplacé par un format mini de sa voiture sur la place. Et donc il avait mis ça sur sa place, et donc le mec était atterré, et lui prenait ça très très mal, tu vois. Et il a résisté, puis s'est imposé à l'OM et il s'est devenu un des meilleurs joueurs de l'OM donc sous sa période. Mais pas beaucoup de respect pour l'humain. Pas beaucoup de respect pour l'humain parce que on entend des choses. Sa communication, je la trouve déplorable. Après, quand on travaille dans le foot, on apprend des choses qui font que. Et sincèrement, moi j'ai beaucoup de mal avec ses choix, et je trouve que quand tu es un tel joueur à l'Olympique de Marseille, et que tu finis à Lyon derrière sans sourciller et sans comprendre pourquoi est-ce que on va te mépriser comme ça, je trouve qu'il y a un problème. Et petite anecdote, les amis, vous vous souvenez quand le Phocéen, ils avaient fait l'élection du joueur de la décennie et qu'il était en quart contre Payet? Ouais, tout à fait, ouais. Et ben sachez que j'ai eu des infos de premier ordre où le mec voulait insulter Payet sur Twitter, Valbuena, en disant qu'il n'avait rien gagné, qu'il était... Il avait mis un tweet, je crois, non ? Oui, il s'est ravisé. Il avait mis un tweet gentil, mais de base, il voulait le démonter, tu vois. Et il s'est énervé, il disait « Ouais, mais je comprends pas, il n'a rien fait, moi j'étais à l'OM, machin et tout, pourquoi le club il m'aime pas, machin et tout ?» Et quelqu'un lui a dit « Mais en fait, t'es en procès avec le club, là, actuellement. » Après, il a fait « Ah oui, c'est vrai. » Et voilà, c'est un mec vraiment étrange, je trouve. On rappelle, procès avec l'OM par rapport aux indemnités que lui ou l'OM devait à son agent, de par son départ au Dynamo Moscou. En fait, il y avait 580 000 euros à payer, je crois, de commission à son agent. Lui s'était mis d'accord avec le club pour que ça soit le club qui le paye. La Brune a dit oui, on va les payer. La Brune ne l'a jamais payé. Et vu que techniquement, c'est au joueur de payer son agent, ben, il est en procès avec le club, en fait. Notre ami Robespierre dans le chat qui nous dit « Bouh, Valbuena le trade, vous n'avez pas honte, hashtag pastis Twitter. » Oui, tout à fait. Mais c'est un débat qu'on avait eu déjà dans cette émission, et je crois qu'Idriss, on était d'accord tous les deux pour dire que la rancune avait disparu. Ouais, c'est ça, c'est fini. Sérieux ? Non, moi, je suis comme Merwan, moi. Non, moi j'ai les mêmes bruits que Merwan, et je suis au courant aussi de pas mal d'histoires dont vous comprenez bien qu'on n'a pas le droit de divulguer aujourd'hui et ici, là comme ça en tout cas. Mais je sais pas, il y a un truc avec le joueur, peut-être que c'est rattaché à ma fin d'adolescence. Valbuena, c'est 2006, enfin il arrive 2006 mais il commence vraiment à jouer 2007. Donc ça dure 7 ans, j'ai de mes 12 à mes 19 ans. Peut-être que ça a joué, je sais pas. Mais moi, il y a un truc avec Valbuena, c'est que, en fait, depuis son départ de l'OM, c'est un joueur insignifiant. Donc, j'ai pas vraiment pu être vexé, marqué, touché, tu vois. Il y a eu ce retour au Vélodrome et je trouve vraiment que il a assez mangé. C'était pas trop, c'était exactement ce que ça devait être. Mais maintenant que c'est fait, c'est fait. Sur un autre ordinateur, j'ai un gif de une heure
ou de... où Rekik lui fonce dessus, voilà. Et je me le passe des fois quand je suis triste. Et je m'étais tapé le retour. Le tampon, il était incroyable. Ah, il était magnifique. Mais moi j'ai célébré ça, mais pire qu'un but. Tout le stade. Mais voilà, mais maintenant que c'est passé, ça y est, c'est bon. Tu vois, c'est comme quand dans une bagarre, tu te bats avec quelqu'un. Vous vous êtes tapé, ça y est, l'histoire est terminée. C'est bon, il n'y a plus de... On ne va pas se disputer à chaque fois qu'on se voit. Voilà, on s'est mis sur la gueule. Ouais, mais on ne va pas refaire le débat. Coup, mais voilà, en fait, la haine, elle est à la hauteur de l'amour qu'on avait pour lui. Voilà, il a gâché l'histoire, c'est tout. Comme un bon nostalgique, mais je ne retiens que les bonnes choses du passé. Ouais, je vois dans mes bras, Idriss. Je suis entièrement d'accord. Je préfère retenir le positif. Ça a tellement fait vibrer quand il était là. Il ne faut pas oublier juste deux trucs. Et en plus, c'est quoi son retour à Lyon nous a offert l'une des plus belles ambiances de ces dernières années. Franchement, regarde, on en parle encore 6 ans plus tard. C'est l'histoire même. Mais de l'histoire de la Ligue 1, mais dans l'histoire du... Merci Mathieu, juste pour ça, merci. Mais en vrai de vrai, mais même pour les gars, je vais pas faire le mec et tout, je regarde beaucoup de NBA, beaucoup d'autres sports, mais dans l'histoire du sport tout court, ce qu'il a vécu ce soir-là au Vélodrome, c'est à mettre à la même échelle que Figo au Camp Nou. Bon, il manquait la tête de porc, certes, mais... Il y avait la potence d'ambiance au Camp Nou ou à Bernabéu. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est en termes d'animosité, et dans l'histoire du basket, parce que je suis un gros fan de NBA, j'ai jamais vu ça, et je pense que c'est même pas possible dans une salle américaine de voir ce qu'il a vécu ce soir-là. Le match a été arrêté près d'une heure, les amis. Ouais, et l'ambiance, c'est incroyable. Et l'ambiance, elle s'est pas arrêtée de la soirée. Il avait failli nous crucifier en deuxième mi-temps, il a une occasion à un moment donné, oh là là, c'est marqué. Et à Gerland, 6 mois plus tard, quand on fait un partout, il met une frappe mais incroyable, et Mandanda la sort. Et dans J+1, après, on avait, vous savez, la bande originale quand on entend les joueurs se parler. Ouais. À la fin du match, il y a Mandanda qui va le voir, qui lui met un taquet, qui lui dit oh, mais à quoi tu joues? Tu voulais me la mettre comme ça maintenant? mais du coup, non, je sais pas. Et puis, c'est un joueur, j'ai envie de récompenser, c'est un joueur à qui on n'a jamais rien donné à l'OM, pour parler sérieusement 2 minutes. Oui, Axel, oui, ok. C'est bon. Axel, passons à autre chose, c'est du passé. Mais si la vidéo de la sextape, on retweetera. Mais juste 2 secondes. C'est un joueur à qui on n'a jamais rien laissé passer. 2006-2007, on le recrute, il vient de Libourne-Saint-Seurin, on lui donne pas une chance. Il est titulaire une fois dans un match contre Nice, on gagne 4. Attends, justement, Idriss, justement, c'est pour tout ça, justement, qu'on a la haine. Ouais, mais ça y est, la haine, elle est passée. Il y a eu bagarre, il y a eu vengeance, et derrière, c'est fini. On lui donne sa chance une fois. Il est bon, on le revoit quand même plus de la saison parce que Ribéry et Nasri ne veulent pas jouer avec lui. Il marque le but contre Saint-Etienne qui nous envoie définitivement en Ligue des Champions. Non, mais tu peux faire tous ces buts, hein, mais ça ne change rien. Non, c'est mais regarde, juste pour dire, 2007-2008, c'est l'Olympien de la saison. 2008-2009, alors oui, que c'est le meilleur joueur de la saison d'avant. Ça change rien. Laissez-moi finir. Non, mais pour voir où je veux en venir, c'est pas contre vous, c'est pour exposer. C'est 2008-2009, c'est le meilleur joueur de la saison 2007-2008 à l'OM. Même avec cette saison-là, parce qu'on recrute Ben Arfa et qu'on joue en 4-4 de losange, il perd sa place. Parce qu'on joue dans un 4-4 de losange avec Cherouziani, Ben Arfa, Kone Niang, et il joue plus. Mais même malgré ça, au fur et à mesure de la saison, il gagne sa place, il devient titulaire et il envoie Ben Arfa sur le banc. Pendant la saison du titre, pareil, il n'est pas titulaire parce que Ben Arfa, parce que Brandao, parce que Niang à gauche, il regagne sa place, et encore ainsi de suite. Tous les ans, il devait se battre pour sa place. Et j'ai envie de récompenser ce parcours-là par rapport à des joueurs qu'on a mis devant lui. Mais Idriss, ça te fait plus mal quand on est pissé ou quand ta femme, elle te trahit? Ouais, mais c'est pas ma femme non plus, Valbona. C'est pas... Non, mais Mandanda, il fait la même, je suis d'accord. Mais... Je sais pas, non, pareil, l'histoire, elle était déjà finie avec Valbona. S'il fait ça en 2011, oui, mais il faisait ça en 2014, plus personne n'en avait rien à foutre de Valbona quand il se barre. Oui, l'histoire se termine, mais l'histoire était finie, il s'en est allé au Dynamo Moscou. Il pouvait aller ailleurs quand même. Après le Dynamo Moscou, non. Il reste au Dynamo Moscou, il fait un truc, il y a plein de joueurs qui ont refusé, je suis désolé. Et en plus, moi, le pire, ce qui m'énerve là-dedans, c'est qu'il a l'air de pas comprendre pourquoi est-ce qu'on le déteste. Non, je suis d'accord avec toi. Arrête, faut arrêter l'hypocrisie au bout d'un moment. Bref, on lui a accordé trop de temps, je pense. Ouais, on conclut sur Valbuena, les gars. Quelque chose à rajouter, messieurs, ou ça suffit? Vraiment, joueur qui mérite sa place dans ce top 10 sans souci. Oui, d'accord. Oui. Moi, je peux pas être en désaccord avec un mec qui l'aurait pas mis. Non, bien sûr. Oui, mais c'est sujet à gros débat derrière. Je demande à voir qui il y a devant. C'est surtout ça. Parce que si les arguments c'est 21e siècle, je vois pas qu'il n'y a pas 10 joueurs devant Valbuena au 21e siècle. Ah ouais, c'est possible.
c'est possible. On passe au sixième, les gars. Le sixième, il a été cité là justement quand on parlait de Valbuena. Il est quatrième chez Merwan, il est septième chez Mathieu. Enfin, chez Mathieu, je lis mon prénom carrément, chez moi et chez Amaïs. Et il est neuvième chez Idriss. C'est Franck Ribéry. Franck Ribéry qui est sixième. Donc, ben Merwan, tu l'as mis quatrième, c'est toi qui l'as mis le plus haut. Donc... Bah, ouais. Bah, justement, petite contradiction avec moi-même, Ribéry, parce qu'il a quand même fait des pieds et des mains pour partir à Lyon. Ouais, j'allais te dire justement pour que c'est pour ça que je te coupe l'herbe sous le pied, Amaïs. justement, je pense que ça aurait été possible qu'il parte à Lyon et j'aurais peut-être eu la réaction que j'ai par rapport à Valbuena aujourd'hui avec Ribéry, même si l'histoire était plus jeune. Mais Ribéry, moi, j'étais assez jeune à cette époque-là et j'ai kiffé son but contre Sochaux en Ligue 1, pas mal d'actions, même après son vécu avec. Enfin, le truc, c'est qu'en fait, moi, Stagia, t'as aussi le « Vas-y, mon petit Thierry Gilardi qui déteint ». Et du coup, en fait, j'ai vécu assez biaisé avec Ribéry. Moi, il m'a fait vibrer. Joueur frisson, vécu pas facile, joueur sur le plan personnel, vie pas facile, etc., etc., qui m'a pas mal touché. Mais c'est vrai que je suis complètement d'accord avec Amaïs qui m'aurait dit bah, « Ouais, mais lui aussi, il a essayé de mettre un couteau dans le dos à l'OM ». Mais pour le coup, moi, voilà, petite sensibilité, petite contradiction, Ribéry quatrième. J'ai volontairement mis une image... Où il n'est pas au club, juste pour parler un peu d'amour du maillot, voilà. Mais je pense que quand on met Ribéry dans le classement, c'est pas forcément pour son prétendu amour du maillot. Non, je pense qu'il s'en fout de l'OM. Non, c'est un phénomène. Il s'en fout pas. Il s'en fout dans le sens qu'il est indifférent, quoi. Voilà, je sais pas qui c'est qui l'a dit là, j'ai pas entendu, mais c'est parce qu'il était trop fort, quoi. On l'a mis parce qu'il était trop fort, c'est tout. Vraiment trop fort entre août et octobre et mars et mai. Entre les deux, c'était pas, ils s'en foutaient un peu. C'est vrai, il faisait froid. C'était la vie de Rabiot, quand il terminait la saison, c'était vraiment incroyable. Je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, il y avait les Guignols qui faisaient genre un sketch sur lui où. Et il allait trop vite, genre il comparait une pile du Racel. Ça te montre à quel point. Oh la référence Non, mais il a raison, je m'en rappelle. Ben Merwan, il parle de trucs qui te marquent quand t'es petit. Ben Ribéry, tu vois, il apparaissait au Guignol alors que l'OM ne joue pas du tout le titre à ce moment-là. On est une équipe, on est quoi, 4-5e du championnat. Mais ça te montre à quel point il était tellement fort au point d'apparaître dans les Guignols, qui était une institution à l'époque. Tu vois, après. J'avais déjà débattu sur lui à l'époque. Vous connaissez mon aversion envers lui, mais je l'ai quand même mis très haut dans le classement parce que c'était vraiment un joueur de classe internationale dans une équipe moyenne. Mais bon. En plus, c'est un joueur qui va à la Coupe du Monde titulaire alors qu'il est à l'OM, qui va disputer une Coupe du Monde grâce à ses performances à l'OM et qui et finit titulaire, qui finit en finale. Enfin, c'est, oui, grâce à Zidane aussi, ouais, bien sûr. Mais c'est quand même assez inédit dans l'histoire de l'OM aussi. Hein mais, en fait, le mariage avait tout pour être parfait. Si Ribéry soigne sa sortie, vraiment, imaginons, il met le troisième but contre Sochaux ou il met son pénalty contre Sochaux, il soigne sa sortie. Il va le tirer plutôt. C'est pas il le met, il va le tirer. Ouais, mais s'il va le tirer, il le met. Mais je veux dire, s'il soigne sa sortie, Ribéry, il discute très fort avec le top 3. Mais très, très fort avec le top 3. Bien sûr. Mais pour le coup, sa sortie est tellement dégueulasse que vraiment, vraiment, c'est moche. On parle d'un match qui a marqué toute une génération. On est tous de la même génération. Un jour, si on est assez maso pour faire une émission sur les matchs qui nous ont le plus marqué défavorablement, on mettra tous OM Sochaux, soit un, soit deux, en ce qui concerne l'OM. Et il est un des acteurs principaux, vraiment, au-delà du pénalty non tiré, il fait un match dégueulasse. Il est vraiment mauvais, alors qu'il y a Stéphane Pichot en face. Mais il lâche l'équipe, tu peux le dire. Il lâche complètement l'équipe. C'est 2006, il arrive, t'es personne, du jour au lendemain, t'es limite la star du championnat. À l'époque, 2006, il y avait Juninho, Pauleta et lui. Donc, l'histoire avait tout pour être parfaite, quoi. Le mec marginal qui a rien eu dans sa jeunesse, qui arrive à Marseille, ville sociale, ville accueillante, où le mec devient un héros. Le mec est moche, il parle mal, tu vois, il n'y a rien qui va, mais juste, c'est notre héros à nous, il avait tout pour ça.
Et ça se finit comme ça. Pff, derrière, il y a le Bayern, il arrive, premier match, Panenka. Je l'ai pris comme un crash à la figure. Ah, je l'en voudrais à vie pour ça. Moi. Le Mars 34, il nous dit, mon premier souvenir de foot, c'est Francky sur le tracteur. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ce que tu dis, hein, c'est ce que ça rejoint ce que tu c'est dis. Exactement Ribéry, c'est exactement ça. C'est Ribéry, c'est après Sedan 2007, quand on se qualifie pour la Ligue des Champions, fin de saison, on est deuxième. Il prend le tracteur pour s'occuper de la pelouse, et il fait un tour de terrain avec et tout. C'était incroyable. Il faut voir à quel point Ribéry était aimé à Marseille. Moi, cet été, j'ai eu des petites infos qui faisaient écho d'un potentiel retour où juste il avait envie de sonder pour savoir si c'était faisable de ci, de là. On ne va pas rentrer dans les détails. J'ai juste mis la photo de Scarface en disant « Mercato M ». Il faut voir tout ce qui s'est passé derrière toute la journée. La question a même été posée à Pablo Longoria, alors que c'était juste des balbutiements. C'est... Voilà, Ribéry, c'est un mec qui a explosé à l'OM, j'ai envie de dire, qui a même commencé à l'OM, et qui a fini sur le podium du Ballon d'Or. Et il n'y en a aucun dans ce top 30 qui était sur le podium du Ballon d'Or. Il y en a un qui s'est rapproché, mais qui n'en était pas. Donc pour vous dire le joueur que c'était, quoi. Il fait partie de ces joueurs qui ont aussi passé l'entretien d'embauche avec brio au Vélodrome. Rappelez-vous, avec Metz OM. Il fait un match extraordinaire. Metz vient gagner 3-1 au Vélodrome. Et il fait partie de ces joueurs qui, avant de rejoindre l'OM, un peu comme Drogba aussi avait fait avec Guingamp avant de rejoindre l'OM. Thauvin aussi. Ouais. C'est nombreux joueurs qui ont été très bons au Vélodrome avant de rejoindre l'OM. Ben Arfa aussi. Tiens, avec mais Ribéry, tu vois, ça venait aussi. C'est un joueur qu'on ne connaissait pas. Il arrive à Metz, même avant ce match-là, c'était personne. Il fait ce gros match-là. Et après, même derrière à Metz, c'est moyen, quoi. Il s'en va à Galatasaray parce qu'il y a eu une petite hype. Ouais, on le perd de vue, même, hein, quand il part à Galatasaray. Complètement. Quand il arrive avec Metz au Vélodrome, moi, en plus, c'est même pas lui qui m'avait marqué. Rappelez-vous de ce milieu de terrain immonde qui était Renoir. Il avait mis une patate en lucarne. Et ben moi, c'est ce Renoir-là qui m'avait marqué. Je le veux à l'OM. Bon, du coup, à l'époque, j'avais pas l'œil à viser. mais bon, bref, c'est un joueur qui aurait pu vraiment devenir légendaire à l'OM, et je pèse mes mots, mais qui a tellement gâché sa sortie que bon, on le retiendra juste comme un grand nom. C'est fini sur Ribéry, les gars, ou quelque chose à... Non, est-ce que je peux juste conclure en disant c'est un crime vraiment qu'il n'ait pas participé à la séance de tir au but quand on se envoyé au feu Ronald Juba en 6e tireur. C'est une honte. Bah, c'était un cadre. Bravo, Ronald. Et tu vois, c'est le pauvre Zubar qui prend tout ensuite. Franchement, c'est honteux quand tu te dis être la star de l'équipe, ce qu'il était en plus. C'était le meilleur joueur de l'équipe. 2006-2007, c'est le meilleur joueur de l'OM. À titre de comparaison, c'est comme si l'OM, en finale de Coupe de France cette année, que Payet ne va pas tirer le penalty. C'est exactement ça. Et que c'est Valerdi qui va tirer à la place. Et que c'est Valerdi qui va tirer à la place. Et là, Merwan fond en larmes. C'est vrai. Imaginez que ce soit Payet. C'est ça. Ce soit Payet ou même Milik, tu vois, un des deux meilleurs joueurs de l'équipe qui ne porte pas ses responsabilités à ce moment-là. Tu sais, un mec qui rate jamais un penalty en plus, Ribéry. Ouais, dans l'équipe, t'avais Niang, Nasri, Cissé, Ribéry, tu te dis la séance de tir au but, elle est tranquille. Ben non, à un moment, tu vois Zoubar s'avancer, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais surtout, comme tu dis, et je l'avais dit 40 fois dans Passe ton ballon, et tu l'as encore dit là ce soir, du coup, c'est le fait qu'il fasse une Panenka deux mois après quand il signe au Bayern pour son premier but. Ah, là, j'ai vu ça, j'avais pété un plomb, mais vraiment, j'étais devenu fou. Et rappelez-vous, hein, parce que c'est pas nous, c'est pas une polémique d'Internet, quand le Bayern vient en 2012, il se fait conspuer par tout le stade. Ouais, tout à fait. Il n'y a que Christian Jean-Pierre qui n'avait pas compris. Oh, mais il a fait des bonnes choses à l'OM, qu'est-ce qui se passe? Ah, Christian Jean-Pierre, on est beaucoup Christian, mais bon. Ah ouais. J'avais son fils dans ma classe, très bonne famille. On salue. Thibaut, bonjour à toi. Et Azir qui nous dit, en parlant du fameux match OM-Metz, là où Ribéry est énorme et Metz vient gagner le Vélodrome, Azir il nous dit Hervé Thoum, c'était Samuel Eto'o ce jour-là. Wouah, Hervé Thoum. Comme beaucoup de joueurs très moyens. Hervé Thoum, le jour où on fera un passe-ton-ballon spécial jeu et on fera un d'Archeville, Hervé Thoum, il est chaud celui-là. Hervé Thoum, je vais me le noter quelque part. je trouve ça inquiétant d'avoir cette ref. Je demande qu'il y ait une enquête sur cette affine tout de suite. Et même, voilà, gars, bref, c'est deux buts face à Nantes, la barre rentrante, Sébastien Pietri qui dit sur les commentaires d'OMTV, il a les deux pieds en équipe de France parce qu'à l'époque c'était un débat. Ouais, Ribéry, bon, bref. Je suis tellement dégoûté de le mettre si bas, mine de rien. Le match au Parc, alors qu'il vient de faire le cinéma pour partir à Lyon, il va parier à lui tout seul au Parc. Il y a le but contre Rennes d'abord, le match contre Rennes au Vélodrome, où il fait une passe D pour Maoulida. Il y a tout le stade qui le siffle. Il fait la passe D pour Maoulida, et Maoulida, le pauvre, est sifflé à cause de Ribéry. Son match de retour. Bref. On passe à la cinquième place, les gars. Ouais.
Et c'est un joueur qui fait partie de cette époque aussi, qui a évolué avec Ribéry. Il est cinquième chez Amaïs. C'est toi qui l'as mis le plus haut. Tu l'as mis à la bonne place en plus, cinquième. Septième chez Idriss. C'est Merwan Embo, on l'a mis huitième. C'est Samir Nasri. Samir Nasri qui est cinquième de notre top 30. Mais tiens, Ama, tu l'as mis le plus haut. Tu l'as mis cinquième. En plus, t'es tombé sur la bonne place. Donc, on t'écoute. Nasri, c'est le rêve marseillais. Nasri, c'est le petit de la ville qui fait toutes les classes à l'OM, qui commence très tôt en pro, qui impressionne de suite. Il avait déjà une grosse réputation quand il était jeune, il a répondu aux attentes et ça a de suite cliqué avec les supporters. À l'époque, je ne sais plus pour quel épisode de Passe ton ballon, j'avais mis en amont une capture d'écran d'un article du Monde qui datait de 2007, qui disait que Nasri vendait 10 fois plus de maillots que Ribéry à l'époque. Et vous imaginez ce que c'est. On vient juste de parler de Ribéry, qui était quand même un super joueur. Ça montre à quel point l'amour qu'il y avait pour Nasri. Et au-delà de l'affect qu'on avait et qu'on a tous pour des jeunes talentueux marseillais, c'est qu'il a vraiment été très, 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 très bon à l'OM. Il lui a manqué juste un titre pour couronner son passage chez nous. Un titre qu'il aurait dû avoir lors de cette fameuse finale Marseille-Sochaux en 2007. Mais même s'il n'y a pas de trophée à la fin, ça a été un joueur marquant aussi bien par son profil entre guillemets de Marseillais, mais aussi par son talent pur. C'est vraiment un phénomène qui est sorti du centre de formation. Et depuis, on n'a plus jamais ressorti de joueur comme ça, tout simplement d'un tel niveau. J'ai pas grand chose à dire sur ce que vient de dire Amaïs, juste que moi j'ai 9 ans quand en 2004 il débute en pro. Donc moi voir Nasri, après avoir grandi avec Zidane, voir un petit de la Gavotte des quartiers nord de Marseille, donc pour ceux qui sont pas de Marseille c'est à 2 minutes de chez moi, qui est au Vélodrome, qui fait des petits ponts, qui porte le numéro 22 et qui envoie des frappes de loin, la frappe du gauche contre Strasbourg. La reprise derrière du gauche contre Strasbourg aussi, 2 ans plus tard pour marquer le but et envoyer l'OM en Ligue des Champions. Moi je suis aux anges, Nasri c'était pas loin d'être mon joueur préféré à l'époque. Donc pas grand chose sur tout ce qu'a dit Ama, pour parler de sa médiatisation. C'est rare qu'un joueur qui a eu un reportage sur lui à 9-10 ans. Parce que Nasri, il y avait le documentaire qui est toujours dispo sur YouTube, Nasri le prodige marseillais, je sais pas quoi, où tu le vois à 9-10 ans sur la pelouse du Vélodrome. Itinéraire d'un surdoué, voilà. Je sais qu'Azir, on en a déjà parlé, je sais, il est dans le chat. Allez-vous le faire. Et le mec, derrière, tu peux ressortir le documentaire bientôt 15 ans plus tard ou 20 ans plus tard aujourd'hui et voir que le mec, il a assumé tout ce qu'il a dit, il a fait tout ce qu'il a réalisé, c'est très rare dans le football. Donc voilà. Samir Nasri mérite amplement sa place et je suis très fier qu'il soit juste devant Ribéry dans ce classement. Et il dit pas que des bêtises quand il parle de football. Mais c'est le meilleur consultant aujourd'hui du PAF français. Vraiment, devant Baudemer, devant Henri, devant qui tu veux. Vrai connaisseur de foot. Un passionné aussi. Genre gâché quand même. Je trouve qu'il aurait pu faire beaucoup mieux dans sa carrière. Gros talent gâché. Il a quand même une grosse carrière, les gars. C'est... Oui, mais il méritait tellement mieux. Au final, le pic de sa carrière, c'est 2012, ce titre avec City. Mais il devient caricatural après. Mais il a 25 ans à ce moment-là. Et ça, ouais. Il est déjà au pic de sa carrière, il a que 25 ans en 2012. Ouais, il démarre très tôt. Ouais, mais tu vois, il fait plus de 200 matchs en PL dans des gros clubs. Non, mais Arsenal, il était phénoménal. Il n'y a rien de honteux. Vous comprenez ce que dit Merwan, il n'y a rien de honteux. Si tu prends la génération 87, avec Benzema, c'est celui qui fait la meilleure carrière. Mais jamais Nasri, son pic, ça doit être un titre où il est le 4e, 5e, 6e meilleur joueur de l'équipe. Tu vois ce que je veux dire? Il méritait beaucoup mieux quand même, Nasri, à l'époque. Alors que les amis, sur Skype, on a eu une petite coupure. Je vais aller récupérer les copains. Voilà. Je pense qu'il faudrait 40 sélections de France. Excuse-moi Maïs, est-ce que tu peux reprendre ta phrase? On a encore été coupé une deuxième fois.
Pas de soucis, non, je disais pour rajouter une pièce dans la machine, c'est que Nasri fait 41 sélections avec l'équipe de France, ce qui est énorme malgré l'histoire tumultueuse qu'il a eu en équipe nationale. Je suis pas sûr que l'OM sortira dans un avenir proche un joueur de son centre de formation qui fera 40 sélections en équipe de France. Même... Bah, ne serait-ce qu'une cape, hein. Voilà. Ne serait-ce qu'une cape, ouais, il a raison. Mais... Même Camara actuellement, qui est le plus gros joueur sorti de ces dernières années, je suis pas sûr qu'il aura une carrière internationale aussi fournie. Une carrière internationale tout court avec la France, hein, je pense. Hein. Puis là, je voulais pas être dur avec lui. Mais, Et puis Nasri, les gars, acteur principal d'un grand épisode de l'histoire olympienne, celui des vizirs et des nababs, quand même. Ça, c'était extraordinaire, ça aussi, rappelez-vous. Pape Diouf qui qualifie certains joueurs de vizir et de nabab après une défaite. Ouais. Il visait clairement Nasri marque le match suivant et fait des chutes en direction de la tribune présidentielle. Quel grand moment. Qu'on perd en Coupe d'Europe, là, contre Saint-Denis. Ah, je me souviens plus, je t'avoue que je me souviens plus. Je me souviens qu'il marque contre Lens, par contre, Nasri marque contre Lens. C'est 2008 contre Saint-Pétersbourg. Ouais. Ah, voilà, parce que justement, quand on utilise le vizir nabab, on excuse d'avoir un. Parce que la nuit à Saint-Pétersbourg, avant le match, a été assez mouvementée pour les Marseillais. Donc, juste pour saluer l'équipe qu'il y avait à l'époque aussi, tu m'étonnes. Non, solide mentalement, mais pas trop. Je me souviens aussi de son compère qu'on a annoncé très très fort aussi, Amedia Yaoui, qui lui a complètement explosé en vol. Ah, c'est une autre histoire, Amedia Yaoui. Bah, je sais qu'ils sont, ils ont un peu les mêmes travers, un peu fêtard, tout ça. Et Samir Nasri, bon, il a tenu, mais je pense aussi que son rythme de vie, ça l'a aussi rattrapé. C'est pour ça qu'à 30 ans, il a dû tout arrêter. Hein. Très compliqué. 34 ans, je crois. Ouais, mais 30 ans, il est déjà au FC Séville avec Sampaoli. On croit à une renaissance, mais il est déjà sur la fin, quoi, tu vois. Son corps arrive déjà plus à suivre. Ouais, c'est ses derniers moments de footballeur, parce qu'il est bon à Séville. Hein. Oui, il est très bon. Ouais, mais... Excellent. Au début, il commence très fort, ouais. Ouais. Voilà, Samir Nasri, 5e, les gars, de notre classement. On va rentrer doucement, là, on va s'approcher du podium, là. On va faire la 4e place. La 4e place, il est. Ama et moi, on l'a mis 3e. On l'avait mis sur le podium. Il était 4e chez Idriss et 6e chez Merwan. C'est un joueur de l'effectif actuel. C'est un des rares à être présent dans ce top 30, puisque c'est Dimitri Payet qui est 4e de notre top 30. Bah vas-y, commence toi. Bah, je vais commencer. Moi, en fait, comme j'avais dit quand on avait fait le classement, je pense qu'on se rendra compte de ce qu'est Payet quand il ne jouera plus, en fait. Dans le bon sens ou le mauvais sens ? Dans le bon sens. C'est-à-dire que. J'ai l'impression qu'on sous-estime un petit peu ce qu'il apporte et ce qu'il a apporté à l'OM. Et que malheureusement, on garde trop en mémoire ses déboires physiques, alors quand il était en surpoids, ses performances qui, disons-le, ont été régulières par certaines saisons. Mais putain, les gars, c'est un artiste. Franchement, il est trop fort. Ça fait des années qu'il porte le club. Il est phénoménal depuis plusieurs saisons. Depuis qu'il est revenu, son retour, il est réussi, les gars. Il est meilleur non, que... Non, c'est pas vrai, par réussi. Contre. Ah, si, si. Non, c'est pas vrai. Non, alors... Ah, ben, il est meilleur maintenant que ce qu'il a été avant de partir. Ah, oui. Après, il n'y a que deux saisons. Il n'y a que deux saisons avant qu'il parte, et alors qu'il y en a 5 maintenant depuis qu'il est revenu. Ben, c'est un retour réussi. Oui, il est meilleur sur son retour. Je suis complètement d'accord, c'est un artiste, il n'y a pas de problème, mais moi je trouve qu'on est aussi un peu amnésique avec le comportement de Dimitri Payet à l'OM. Moi je l'aime beaucoup et je l'ai mis très haut dans mon classement, il n'y a pas de problème. C'est un gros bébé. Qu'on se souvienne quand même de son comportement lorsque deuxième année de Villas-Boas, où le mec il arrive bon, effectivement dans une condition physique qui est scandaleuse, mais qui a aussi un comportement dégueulasse. Le mec il marque, ostensiblement il fait des signes vers le coach en lui disant qu'il est cinglé, le mec il joue arrêté, il marche sur le terrain, il était dans une telle condition physique infâme que même sur certaines phases techniquement il était à l'ouest, parce qu'il pouvait même plus se déplacer sur le terrain. Il y a eu des histoires en coulisses, son relation avec Thauvin qui a tout pourri sur le vestiaire, son agent qui appelle des médias pour pourrir Thauvin. Non, enfin, moi je trouve que Payet il a un comportement qui est irrégulier, que le mec quand il est concerné tu vas trop le kiffer. Par contre, quand le mec il est pas concerné, il va en avoir rien à foutre de l'institution et ça va être que pour sa gueule. Oui, il c'est ça mon petit reproche. Quand il est pas concerné, il peut avoir un côté détestable. Ça, la dernière saison de Rudy Garcia. Hein. Oui, il est détestable. C'était insupportable. Mais là, je trouve que ça fait quand même bien 2 ans là qu'il a pris une dimension. Mais même mentalement, tu sens que c'est un autre homme en fait. Depuis le départ de Villas-Boas. Oui, non, mais la première saison Villas-Boas, il est en mission complète parce qu'il veut aller à l'Euro et il est en mission complète. Et là, c'est ce qu'a dit Merwan, c'est que quand il a envie,
mais il n'y a aucun débat sur qui est le meilleur joueur de l'équipe et qui est le meilleur milieu de terrain de ce putain de championnat. Peu importe qui Paris peut aligner. Et actuellement, c'est un des meilleurs joueurs d'Europe, hein, je pense. Oui, actuellement, c'est un des meilleurs joueurs d'Europe. Et à part, mais de toute façon, les stats le prouvent. Hein. Je sais que certains Maurice, diront que c'est que des stats. Mais... Non, mais après, à ce niveau-là de stats, c'est des stats avancées, c'est pas juste des stats. À part Maurice Bapon, cette saison, il est le deuxième meilleur joueur de Ligue 1. Mais parce que l'autre, il est meilleur buteur et meilleur passeur, qu'est-ce que tu veux faire ? Mais bref. Non, moi je me meilleur jeu, mais peu importe. Moi, mais bon, bref, c'est un autre débat. Mais juste, voilà, moi, j'ai fait mon top 30. Il y a mon podium qui est arrivé très très vite. Voilà. Et je me suis dit, je mets qui en quatrième ? Et en mettant les noms, ben, j'avais pas envie de mettre Balbuena devant Payet. J'avais pas envie de mettre Ribéry devant Payet. Et il était hors de question que je mette Nasri devant Payet. Donc oui, moi, je suis comme Merwan. Il y a plein de trucs qui m'ont déjà gavé. Il y a une émission de Passe ton ballon l'année dernière, légendaire. Je crois que c'était après Porto, Mathieu. Où je fais avec un montage magnifique en photo. Je fais une tirade de 20 minutes où j'exprime pourquoi ça me frustre et pourquoi ça me rend fou de le voir à ce niveau-là. Mais voilà, on parle des joueurs les plus marquants au XXIe siècle. Le mec, il est arrivé quand même en 2013. Il y a un an et demi où il n'est pas là. Il arrive 2013, donc ça va faire 8 ans. Ça va faire donc 6 ans et demi qu'il est à l'OM. Ouais, franchement, il y a eu plus de bons que de mauvais, mine de rien. Et il y a même des saisons, et je vais même pas parler de match, des saisons où s'il est pas là, ben on est pas mal dans la merde. Rappelez-vous juste le niveau ça qu'il a déjà. et rappelez-vous juste le niveau qu'il avait sous Bielsa. On a parlé de Lucho tout à l'heure, mais Payet, le niveau qu'il a sous Bielsa, Lucho, il en rêve dans sa vie. Je trouve quand même qu'actuellement Payet c'est le meilleur Payet qu'on ait vu à l'OM et peut-être même dans sa carrière. Non, je suis d'accord avec Merwan. Sous Bielsa, il était vraiment fort. Je suis d'accord avec Merwan. C'est juste que avec le Payet sous Bielsa, il avait une chose à faire. C'est pas comme aujourd'hui, il est au four et au moulin. Rentre frappe. Avec Bielsa, il avait un autre rôle qui était de mettre en valeur ses coéquipiers. Et c'est pas pour rien que Gignac fait la meilleure saison de sa carrière à ce moment-là. C'est pas pour rien que Michy est pas loin de faire une des meilleures saisons de sa carrière, qu'il explose cette saison-là. Que Thauvin, même s'il est ultra mauvais, il finit la saison à 13 buts. Bon, bref, il a rendu tous ses coéquipiers meilleurs et. C'est intéressant ce que tu dis. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il a toujours fait en sorte, en tout cas, essayer de mettre son attaquant devant lui dans les meilleures dispositions. Rappelez-vous l'épisode Mitroglou avec Azir qui dit « Mais viens devant la cage !» Il essaie de le faire marquer tout le temps. Benedetto, il a toujours essayé de créer un lien avec lui. Là, on le voit avec Milik, c'est pareil. Il a toujours eu ce côté... Il n'est pas égoïste sur un terrain. Voilà, il n'est pas égoïste. Je suis altruiste. Je vais tout faire pour que mon attaquant soit dans les meilleures dispositions. Et ça, c'est quelque chose d'appréciable. Il est très bébé en dehors. Mais tout ce qui concerne la lumière, la couverture, il aime bien qu'on parle toujours de lui, même s'il va jurer le contraire. Mais par contre, sur le terrain, non. S'il faut gagner un match, il va jamais faire la frappe parce qu'il veut marquer lui ou quoi. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner. C'est tout. Puis même dans cette déclaration, franchement, ça fait quand même quelques mois, je le trouve très apaisé, très intéressant dans son discours. Parce qu'il n'y a personne qui lui tire la couverture sur lui, Mathieu. Oui, je trouve que c'est intéressant. Même la position avant au MPG, là, cette saison, où il dit s'il vous plaît, faites attention, et qu'après il dit non, il n'y en a qu'on déconne. Ah ben franchement, je trouve que c'est bien. Mais parce qu'il est reposé, mais tant mieux à 35 ans qu'il soit apaisé, tu vois. Mais c'est juste, ça efface pas non plus tout ce qu'il y a eu derrière. Il faut pas oublier que même la saison dernière, il y a encore ces petites disputes avec Florian Thauvin sur qui est le meilleur de l'équipe et qui est la star de l'équipe et qui est plus copain dans l'équipe avec qui. C'est des gamineries, mais qui datent de 6 mois, quoi, tu vois. Donc oui, non, mais très bien, tu fais bien de le relever. Il a l'air d'avoir mûri. Il y a ce match contre Lyon qui restera dans sa légende. Il y a ce parcours d'Europa League où il est le meilleur joueur de l'équipe et de loin, même s'il y avait Luis Gustavo et Rami. Mais quand même, tu vois, il ne faut pas non plus oublier qu'il y a ces petites gamineries. Mais sans ces gamineries, Payet, il discute, mais encore plus avec le podium. Moi, pour moi, il n'y avait pas de débat. Pour moi, il y a besoin de titre quand même. Il y a un gars dans le podium qui n'a pas de titre. Attends, la conférence, il n'a pas eu beaucoup. Franchement, s'il n'y a pas ces déboires-là, s'il n'y a pas ces gamineries-là, mais Payet, il discute, mais même avec la première place. Mais le problème, c'est qu'il y a ses gamineries et c'est pourquoi il est quatrième. Mais par contre, chez moi en tout cas, il y a eu une quatrième place et après, derrière, il y a eu un monde. Pour moi, Nasri est très très loin de Payet. Ah non, t'as pas entendu sur Payet. Non, Payet, je voulais juste déjà rajouter que sous Bielsa, c'est le meilleur passeur du championnat. Donc vraiment, juste pour apporter de l'eau à mon moulin. Non, sinon, Payet, moi je te rejoins, Mathieu, pour le coup, vu que je l'ai mis aussi sur mon podium, c'est plus tard qu'on va se souvenir de son impact. Là, peut-être que
C'est encore trop frais ce qui s'est passé avec la saison de Villas-Boas où il a pris je sais pas combien de kilos et que c'était un poids pour l'équipe. Mais mine de rien, quand tu prends un peu de recul, quel joueur de classe, un joueur de classe internationale, j'ai pas peur de le dire pour le coup, même si certains vont le critiquer en disant « Ouais, qu'est-ce qu'il a fait Payet dans sa vie, son meilleur club, ça a été l'OM et c'est tout. » Ok, certes, mais c'est un joueur rare et je suis pas sûr qu'on ait dans la prochaine décennie un joueur de ce niveau, voire même de ce calibre. C'est vraiment un artiste. Là, il s'est même mué en leader, ce qui n'a pas toujours été le cas dans sa carrière. Et c'est même étonnant de voir un joueur aussi épanoui à son âge, sachant en plus l'hygiène de vie qu'il a. Il a donné l'exemple pas plus tard qu'il y a 2 saisons. Et c'est étonnant qu'il ait eu la force mentale de rebondir en se disant « Bon, ok, j'ai merdé. Je vais devenir vraiment le taulier de cette équipe. Non, je vais me remettre en forme. » Je suis sûr qu'il ne s'est pas dit ça. Moi, je pense que en tout cas, moi, je commande juste ce que je vois pour le coup. Là, c'est le leader de l'équipe. Donc, quel est le processus exact qu'il y a eu derrière, je ne sais pas. Mais je suppose qu'il il s'est dit ça. Parce que comment expliquer un tel niveau de forme et un tel niveau de responsabilité après ce qu'il a connu ? Je vais essayer de le faire. C'est que moi, je pense qu'il y a plusieurs choses là-dedans. C'est que Payet, il arrive au crépuscule de sa carrière, il s'est dit « bon voilà, si j'ai encore quelques années, donc il va falloir carburer ». Il y a aussi en même temps l'autre chose, c'est l'effectif qui a été bâti avec l'Olympique de Marseille, et il a vu finalement que quelque chose allait pouvoir être fait cette saison, et il a voulu se mettre au diapason, et je pense que ça l'a remotivé. Dès l'été dernier, il fait des déclarations en disant « je suis très content du travail de Longoria, je sens qu'on va faire une grosse saison, le mec il est monté à bloc ». Et je pense que Payet, c'est le type de joueur que si tu le mets pas dans des bonnes conditions, lui-même ne va pas réussir à se mettre dans les bonnes. Pourquoi ? Parce que c'est un flemmard. Parce que c'est un flemmard, tout simplement, et c'est pour ça qu'il fait la carrière qu'il fait, et qu'il joue pas au Real Madrid, et que c'est pas peut-être le meilleur milieu de terrain français de ces 10 dernières années. Pourquoi ? Parce que ce gars-là, il n'arrive pas à se motiver tout seul. Voilà. Juste pour revenir à une petite anecdote. Conclue sur Payet, ouais, après. La saison Bielsa, il y a un adjoint de Bielsa qui vient le voir et qui lui dit « Pour devenir le meilleur joueur de Ligue 1, tu dois encore faire ça, faire ça, faire ça. » Et Payet répond à l'adjoint « Tu dois travailler plus, tout ça, tout ça. » Bref. Et Payet répond à l'adjoint « Mais pourquoi je ne suis pas déjà le meilleur joueur de Ligue 1 ?» Donc, en mode « Laisse-moi tranquille. » moi, j'ai eu la même, mais un peu remixée, mais il y a la même base. C'est un adjoint qui lui dit « Si tu t'entraînais plus, tu serais un des meilleurs joueurs en Europe. » Et il lui a dit « Mais ça sert à quoi d'être l'un des meilleurs joueurs en Europe ? Je suis déjà le meilleur ici. » Donc voilà. En tout cas, je sais pas laquelle est vraie, mais en tout cas, ça prouve que il se contente de peu, je pense, et c'est pour ça qu'il a la carrière qu'il a eue. C'est bon sur le Payet, les gars, on peut passer au podium. Ça m'a énervé parce que demain je vais dire j'ai oublié de dire ça. Comme ah oui, bah écoute, tu le tweeteras. Donc Dimitri, d'ailleurs, on lui a déjà passé des messages, mais Dimitri, tu es le bienvenu dans l'émission. Je vais faire en sorte que tu puisses écouter ces émissions. Les gars, on passe au podium avec la troisième place. Donc ça y est, les trois plus grands joueurs de l'histoire du 21e siècle. Ça, oui, ouais, on va essayer de faire vite. Ouais, on va faire ce qu'il faut. Donc à la troisième place, il est deuxième chez Idriss, il est deuxième chez Ama, troisième chez Merwan et quatrième chez moi. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis sur le podium, mais bon, c'est pas grave. C'est Didier Drogba qui donc, ouvre ce podium de notre top 30. Ouais. Troisième place pour Drogba. Tiens Idriss, on va t'écouter sur Drogba. Je sais que tu l'as idolâtré ce joueur étant petit. Le mot est un peu fort. Oui. Mais c'est juste que j'ai 8 ans, la saison qu'il fait, parce que je ne vais pas dire la saison que l'équipe fait, me fait prendre une carte d'abonnement à la fin de la saison et j'ai rendu ma carte d'abonnement que 16 ans plus tard. Donc je pense qu'il a eu une petite importance dans ma vie. mais sinon, qu'est-ce que tu veux que je dise ? Le mec est juste trop fort, légendaire. Quand t'emmènes en finale de Ligue Europa Fabio Celestini, Sylvain Ndiaye, Steve Marley, Brahim Mdani, Emmanuel Dos Santos, c'est quand même que t'as quelque chose dans le gaz. Et on rappelle, c'est pas pour l'amour que j'ai pour notre parcours en 2018, on n'élimine pas Braga et Bilbao. Hein. Bon, on élimine Hippopetrovsk, mais derrière, c'est quand même Liverpool, l'Inter et Newcastle qui s'offrent à nous. En finale, on perd face à Valence, mais Valence allait voir l'équipe qu'ils avaient déjà à l'époque. Et surtout, l'entraîneur, parce que l'entraîneur, il va prendre Liverpool l'année d'après, il va gagner la Ligue des Champions. Valence, qui finit aussi champion d'Espagne cette saison-là, ils font le doublé. Donc bon, quand même, le garçon est un peu sérieux. Je défie quiconque de ma génération de ne pas avoir saigné
la chanson, le clip d'OMTV où il y avait les 32 buts de sa saison. Il y a cette histoire éternelle du retour à laquelle moi j'ai jamais cru au final, donc ça m'a peut-être évité certains maux de tête. Mais du coup, voilà, juste quand tu fais une seule saison, t'as rien gagné. La saison, je crois qu'on finit 8e en Ligue 1. On fait finale d'Europa League, on sort en 16e de finale de Coupe de France contre Paris en prolongation. Bref, une saison banale, quoi, tu vois, pour l'OM, au-delà de la finale d'Europa League. Mais que tu marques autant les gens, que tu as un tel mariage qui se crée avec le public marseillais, oh, pour moi, t'es podium facile. Et je vais même vous dire, après je donnerai la parole à Ama, quand j'ai fait le top 30, la première chose que j'ai fait, je l'ai mis premier. Et après, j'ai fait mon podium et j'ai fait le reste. Mais d'abord, je l'ai mis premier. Bon, après, je suis revenu à la raison. Mais pour moi, ouais, juste légendaire. Ama. Non, je suis dans le même mode de réflexion que toi et j'en profite pour répondre à le Marx34, j'espère que je prononce bien sur le chat, qui dit « Drogba devant Payet, les gars sont déconnés ». Eh ben non, on ne déconne pas parce que Didier Drogba, la seule et unique saison qu'il fait à l'OM, il n'y a aucun joueur de l'OM après lui. Et même avant lui, dans Raphaël un... Raphaël Montet à Papin 91, hein, je te dis. Voilà, j'allais dire, entre Papin et lui, il n'y a aucun joueur offensif qui fait une saison comme lui. C'est tout, ni plus ni moins. Ni Payet, ni Ribéry, ni Niang, tous les joueurs qu'on a cités... Même Paradonic. Dans le dans ce top 30, personne. Donc oui, devant Payet, parce que la saison qu'il fait, c'est une saison... magnifique, exceptionnel, légendaire, utiliser tous les superlatifs qu'il faut. Et c'est pas pour rien que les gens l'ont applaudi quand il est revenu jouer sous les couleurs de Chelsea. Il y a un truc qui ne trempe pas, c'est juste la réaction populaire. On a parlé de Ribéry qui a été sifflé. Lui, il a été applaudi. Pourquoi? Parce qu'il a été phénoménal. Lui, il n'a pas triché. Je pense vraiment, peut-être naïvement, que quand il part, il n'a vraiment pas envie de partir. Mais bon, à un moment donné, ça arrange tout le monde et lui aussi le plan financier quand il signe à Chelsea. Juste son documentaire, je te coupe vite fait, Ama, il y a un documentaire qui a été réalisé par son frère qui raconte un peu son parcours. C'est à environ la saison 2008-2009 quand il est à Chelsea. Et il raconte son départ de l'OM, il raconte comment ça s'est passé. Et il est dispo sur YouTube, il est juste incroyable, il faut le voir. Et juste pour terminer, en fait, les gens lui en veulent, et notamment peut-être la personne que j'ai citée dans le chat, lui en veulent de ne pas être revenu. Moi, au final, je m'en fous qu'il ne soit pas revenu. Il y a des raisons tout à fait compréhensibles et pragmatiques, qui font qu'il ne soit pas revenu. Le club était dans un état franchement très moyen. Lamentable. Lui, il était au firmament de sa carrière, et même ensuite... quand il commençait à être sur le déclin, il a eu des propositions financières qui étaient exceptionnelles, que ce soit Galatasaray ou la Chine. Il n'est pas revenu. Et alors c'est aussi peut-être une manière aussi de préserver sa légende en restant sur une seule et unique saison, mais qui aura été grandiose. Donc, rien que pour ça, ouais, je l'ai mis sur le podium et très haut. Quoi. Merci pour tout, Didier. Tout simplement. Pour mesurer ce qu'a apporté Drogba à l'OM, tu vas voir n'importe quel supporter de l'OM, tu lui demandes quel est le départ de joueur qui t'a le plus brisé le cœur, tout le monde te dira Drogba. Donc ça te résume. Surtout, rappelle-toi. Ça te résume ce qu'il était, quoi. Il n'y avait aucune rumeur. Il n'y avait aucune rumeur. C'est qu'en fait, du jour au lendemain, c'est arrivé à la une de la Provence. C'est arrivé à la une de la Provence où la Drogba s'en va à Chelsea. Quoi? Mais d'où? Tu sais, il n'y a même pas comme aujourd'hui où ça brûle, ça chauffe. Non, le joueur fait ci, il y a une interview, il y a un truc qui met pression. Tu as le président qui vient qui dit il y a 99,9% de chances qu'il reste à l'OM. Non, il n'y a rien qui a eu. Du jour au lendemain, c'est il part à Chelsea, point barre. Et pour la petite histoire, je vais te raconter vite fait. En fait, Chelsea a assommé Pape Diouf et Christophe Boucher des offres. Et eux, ils refusaient tout parce qu'ils ne voulaient pas le voir partir. Ils avaient envie de construire. José Anigo aussi ne voyait pas comment il pouvait ne pas avoir Drogba sur la saison. Et Roman Abramovich, envoie directement l'offre au siège de Dreyfus en Suisse. Et il lui dit, voilà l'offre que je te fais pour Drogba. Dreyfus s'appelle l'OM, il dit, faites-moi de suite la lettre de sortie, il s'en va. Et vous me le jetez à l'aéroport. Et juste pour voir, parce que l'OM est l'OM et restera toujours l'OM, qu'est-ce qu'on a fait de l'argent de Didier Drogba? On a pris Peggy Louindoula. Peggy Louindoula, Habib Mamogo, Eduardo Costa, Benoît Pedretti et le salaire de Vicente Lizarazu. Voilà. Il n'y en a aucun qui a joué plus de un an à l'OM.
Et oui, déjà de une, non, mais surtout juste aussi pour mettre les choses dans leur contexte, là, peut-être que les plus jeunes qui nous écoutent, quand ils vont voir qu'on l'a vendu seulement entre guillemets 38 millions d'euros, là, à l'époque actuelle, tu fais fois 3. C'était colossal à l'époque. Tu fais fois 3 facile, du coup, c'est comme si l'OM, donc l'OM, un club, je le répète, moyen, même si on fait finale de Ligue Europa, c'est comme là, si maintenant l'OM reçoit 120, 130 millions d'euros pour son meilleur joueur. Ben, on va le pousser vers la sortie. À l'époque, 40 millions pour un joueur. À l'époque, 40 millions pour un joueur qui a aucune référence dans un gros championnat. En fait, c'était des transferts qui se faisaient de gros club à gros club, 40 millions d'euros. Oui, ben si, là, franchement, même avec le recul, mais limite, ça n'a aucun sens, même que Chelsea ait autant mis d'argent sur le gros club. Quand même, le mec, il a porté. Mais Mourinho était amoureux de lui. Non, mais il met 30. Mais pareil, tu prends un joueur. Non, mais tu dis, ben si, mais avec le recul. Mais combien de joueurs ont fait une saison exceptionnelle et n'ont plus rien fait derrière? Non, mais je vais te prendre un exemple fabuleux. C'est qu'il y a un Norvégien qui était à Salzbourg, qui a fait une demi-saison et qui a signé à Dortmund et qui est en train de tout péter. Mais un mec qui met 32 buts qui part pour 38 millions, aujourd'hui, c'est un peu plus dans la norme. Mais c'est, à l'époque, ça arriverait jamais. Non, c'est vraiment l'équivalent de 120 millions. La preuve qu'on a quasiment refait toute une équipe avec 38 millions d'euros, c'est-à-dire que les prix étaient vraiment bas à l'époque. On n'a pas réussi à lever l'option d'achat de Kamel Meriem quand même. Hein. Putain. Et on pense à Ludwig dans le chat qui nous dit « Je m'étais fait floquer le maillot Louis Ndoula pendant l'été, la plus grosse erreur de ma vie à ce jour. » Et j'ai tellement cru à Louis Ndoula à l'époque, moi. J'ai pas de 64 qui nous dit « Christophe Boucher a du sang sur les mains, qui vous rejoint les gars. » C'est pas de sa faute. Enfin, pas complètement. C'est tout sur Drogba, les gars, ou vous voulez rajouter quelque chose? Merwan n'a pas parlé. Merwan, on t'a pas entendu? Non, moi j'ai rien à rajouter de qualitatif. Moi j'étais petit et puis le seul souvenir de Drogba que j'ai qui m'a marqué, c'est son dribble face à Newcastle, je crois. Et sincèrement, c'est ça qui m'a marqué. Je ne sais même pas contre qui on jouait, quel coup on jouait. Et Drogba, la chanson, tout ça, c'est ça qui me fait le mettre là-bas. Et c'est un de ceux qui ont fait que j'étais fan de l'Olympique de Marseille. Donc, podium. Ah, mais moi, j'étais tout petit à Newcastle, j'avais réussi à avoir des places. Et quand il prend le ballon et qu'il part en contre-attaque, tout le monde savait. Tout le monde savait comment ça allait se finir. Bon, t'es loin d'imaginer le dribble et tout. Hein. Mais on savait qu'il allait avoir but. C'était trop. Tu te rends compte l'équipe qu'on avait et le degré de confiance qu'on avait juste parce qu'on avait Barthez dans les cages et Drogba devant. Ah, c'était incroyable. On s'était dit, on peut le faire. On a affronté Liverpool. Juste Liverpool, un an après, remporte la Ligue des Champions, les gars. C'est quoi? C'est comme Mark Landers qui fait gagner son équipe alors qu'il est juste grâce à lui, alors que tout autour, il a que des brèves. Kamel Meriem, il était pas mal, mais il a rien fait derrière. Marley, il était nul. Celestini, il était nul. Ndiaye, il était nul. Flamini, il était encore puceau. Dos Santos et Ferreira, ils étaient nuls. Abibé, il était moyen. Il était pas nul, ça va, ne force pas non plus. Ah, si, c'est pas du niveau quand même des équipes que t'affrontes. T'affrontes l'Inter, regarde l'équipe de l'Inter que t'affrontes. C'est pas non plus, c'est quand même. Bah, Demetrius Ferreira, il a rien envie à Sakai, je suis désolé. Mais bon, bref, il était monstrueux. Moi, je l'aimais bien, mais franchement, il était très moyennasse. Oui, mais il était pas nul, voilà, c'est ça que je veux dire. Ouais, mais c'est pas un joueur calibre. Bon, bref, on s'en fout. Allez. Non, et on a réussi à convaincre le Marx. Voilà. Le Marx qui était dubitatif, mais il était jeune à l'époque. Il nous dit, j'avais 6 ans. Et c'est vrai qu'à l'époque, je l'ai pas vécu en vrai. Puis il a demandé à son père. Il nous dit, c'est bon les gars, mon père vient de me confirmer. T'es fada, Drogba, il m'a fait autant vibrer que Waddle. Voilà. Et voilà. Juste toujours demander au papa ce qu'il pense des joueurs qu'on n'a pas vu jouer, toujours. Bah, moi, si tu demandes à mon père, il va parler de Roger Carlos, frère. Tiens, laisse tomber. Tiens, oui. Juste, il reste 2 joueurs. Qui on a mis en premier? Parce que celui qu'on a mis en deuxième, on devine forcément le premier. Donc tu veux qu'on dise tu veux qu'on annonce? Non, on fait d'abord le deuxième. On fait d'abord le deuxième. Le deuxième, ben moi je l'ai mis deuxième, donc je suis assez content. Merwan l'a mis deuxième aussi. Il était troisième chez Toledo et quatrième chez Ama. C'est Mamadou Niang. Mamadou Niang, donc, qui est deuxième. Et donc, bon, la première place, vous avez deviné, il y a un joueur qui n'a pas encore été cité, donc il est évident. Nemanja Radonjić, non, évidemment que non. Mamadou Niang, deuxième. Bah, écoute, Merwan, on t'a pas trop entendu sur Drogba, donc vas-y, tu peux ouvrir le bal sur Mamadou. Bah, écoute, moi, c'était un dilemme pour la première place. On parlera après du premier, même si je pense qu'on s'en doute. Et je me demandais si je ne devais pas le mettre le premier, parce que moi, ça a été mon joueur préféré à l'Olympique de Marseille. Mamadou Niang, début compliqué à l'OM, très compliqué. On se dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce joueur, etc., etc. Petit à petit, il s'impose. Et de quelle manière? Sincèrement, il m'a marqué à énormément de moments. Son double espresso commenté contre le Milan. Joueur absolument incroyable, moi je l'ai trouvé exceptionnel à l'Olympique de Marseille dans une époque qui n'était pas celle-ci. Encore une fois, je me souviens qu'il était à la lutte avec Kevin Gamero à l'époque pour le titre de meilleur buteur de Ligue 1 et on parle de 14-15 buts en championnat.
Non, très très gros joueur, joueur qu'on annonce chaque année à Chelsea, dans des gros clubs anglais, et qui finalement, ça se fait jamais. Sincèrement, pour moi, Mamadou Niang, c'est le symbole d'une époque à l'Olympique de Marseille. C'est le titre de 2010, c'est Mamad, moi c'est mon OM, et ça restera mon joueur préféré à l'Olympique de Marseille, et je pense que j'aurais très bien pu le mettre premier. Mais sur le plan de la longévité, sur le plan de... tout simplement la longévité, je ne l'ai pas mis premier, mais c'est tout comme. Et Niang, c'est la classe, les gars. 227 matchs, 100 buts, tout rond. Je dirais qu'il a fait exprès. Je pense qu'il doit être, ça va être une petite fierté pour lui, tu vois, d'avoir juste 100 buts. Ouais, c'est mais sincèrement, gros respect. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais gros respect pour moi. Ah, mais je te rejoins entièrement. Je crois que j'ai un maillot, d'ailleurs, là, juste à côté de moi, Floqué Niang. Ça a été un de mes joueurs préférés de la décennie 2010. C'était fabuleux, quoi. Et comme tu le dis, c'était inattendu au final. Parce que quand il arrive à l'hiver en plus. Hein, je dis pas de conneries, les gars. Si, tu dis une grosse bêtise, il arrive. Ah ouais je confonds avec Pagis, excusez-moi. Oui. Il arrive l'été 2005 sous les conseils de Jean Fernandez. Parce que l'OM, il ne le voulait pas. Et il arrive, et franchement, tu t'attends pas à ce qu'il. Tu t'attends pas à un joueur d'un tel calibre, quoi. Et puis d'ailleurs, comme l'a dit très justement Merwan, ça se passe pas hyper bien au début. Il est critiqué. Époque moustache. Il avait la moustache, Mamadou Niang. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Des frisages en arrière et moustache. Ouais, il avait tant de dinguerie capillaire. D'ailleurs, ça avait coïncidé avec des mauvaises périodes sur le terrain pour lui. Donc, je pense que si tu es superstitieux, tu changes de coiffure. Non, mais franchement, Niang, puis capitaine et meilleur buteur du titre de champion, ça te pose le joueur, quoi. Idriss, Ama, sur Niang. Vas-y, Ama, vas-y. Niang, t'es obligé de dire que du positif sur lui tellement il a été marquant. Après, juste pour justifier ma quatrième position, parce que c'est moi qui l'ai mis le plus bas, j'ai du mal un peu à avaler son départ que pour Fenerbahçe, entre guillemets, avec tout le respect que j'ai pour Fenerbahçe. Voilà, avec tout ce qu'il a fait à l'OM, je m'attendais à le voir partir dans un club plus huppé, et lui... qui part comme ça mi-août après un match pété contre Valenciennes, c'est dommage, tu vois. Encore un joueur dans cette liste, dans la sortie, aurait pu être davantage soigné. Mais sinon, au niveau sportif, que dire sur Niang ? Rien, j'ai rien à ajouter. C'était un joueur exceptionnel qui a grandi en même temps que l'équipe. Et ça, c'était plaisant à voir. Ça me fait penser, rappelez-vous, quand on avait reçu Sofiane, notre ami Sofiane du Winamax FC, on a vu ce débat pendant l'émission sur la rivalité Marseille-Lyon. On lui avait demandé quel joueur de l'OM t'a le plus rendu fou, te faisait le plus peur. Et il nous avait direct sorti, mais c'était Niang, il était insupportable contre nous. Et c'est vrai qu'il marquait très souvent contre Lyon. Hein. Il marquait très souvent contre Lyon, contre Paris aussi, Il marquait tout le temps contre Paris. Non, mais on met toujours le même débat, c'est contre qui tu marques. Et lui, Niang, il faisait partie de ses joueurs dès qu'il arrive au Vélodrome, stade plein, ça y est, c'était parti. Il était injouable. Un cocktail incroyable. Les deux, Vélodrome plus Niang, non, trop trop fort. Puis la chanson dans le virage, Mamadou, enfin, c'était trop bien, franchement. Trop trop fort. Idriss, c'est sur Niang. Mais écoute, moi, j'ai grandi avec lui, et puis, enfin, avec lui, devant ses exploits. Ah bon, vous avez grandi. J'ai grandi devant ses exploits au stade, et puis, grâce à mon métier, j'ai été amené à faire une partie de tennis-ballon avec lui, donc, autant te dire. Mais sinon, non, j'ai pas grand-chose de plus à ajouter, c'est juste que, tout à l'heure, j'ai parlé de Valbuena, je disais qu'à chaque début de saison, il partait jamais titulaire. Ben, j'ai envie de dire que Niang, tous les ans, on lui mettait un attaquant de pointe en lui disant... cette année, on va prendre un attaquant qui va mettre 20-25 buts et qu'à la fin de la saison, c'était toujours Niang qui finissait meilleur buteur du club. Ça a été Jiménez la première saison, ça a été Pagis après, ça a été Djibril Cissé, ça a été Brandao, c'est fini sur ça. À chaque fois, on s'était dit, on va ramener des joueurs. Il y avait aussi la rumeur Bafé Gomis pour. Mais non, à chaque fois, le meilleur joueur, c'était Niang. Il a été obligé, il a été appelé pour jouer sur le côté, dans l'axe, pardon. Parce que Jean Fernandez l'avait connu à Metz et qu'il le voulait absolument. Puis au final, on l'a décalé à gauche. Puis on a découvert que c'était son poste. Puis, vu que l'OM est intelligent en Coupe d'Europe, on avait souvent des joueurs pas qualifiés. Parce qu'on recrutait des joueurs qui avaient déjà joué des Coupes d'Europe. Et du coup, il était amené à jouer dans l'axe seul. Franchement, Mamadou, c'était un joueur de métier. Il n'a jamais râlé. On n'a jamais entendu pleurer dans les médias parce que pour telle ou telle raison. Lui, il venait, il faisait ce qu'il avait à faire sur le terrain. C'était un joueur qui était adoré de tous dans le vestiaire. Pour le coup, et on en a parlé tout au long de ce top 30, même sur des gros noms et des gros joueurs, on a souvent parlé de petites histoires hors terrain avec Mamadou Niang, il n'y en a aucune. Enfin, du moins directement.
C'est bref, c'est. Un gros copain de Diawara qui apparaît dans les photos d'ailleurs, Mamadou Niang. Donc il y a quand même eu des petites. Attends, attention. Après, il n'était pas non plus, c'était pas un saint. Hein. Il a fait pas mal de bêtises. Enfin, mais des bêtises qui restaient dans le cadre du terrain, quoi. Il sortait, il avait une vie plutôt animée, mais c'était jamais au détriment du terrain. Il n'y a jamais rien eu. Il n'y a pas eu d'histoire d'abus, un peu comme il y a eu avec Brandao. Il n'y a pas eu d'histoire conjugale comme il y a eu avec Lucho, même si Lucho s'est passé en dehors de l'OM. Bref, il a jamais dépassé le cadre du terrain dans ses conneries. Donc, tu vois, qu'est-ce que tu veux lui reprocher? C'est un joueur qui mérite amplement sa place sur le podium. Moi, je l'ai mis derrière Drogba, mais je comprends amplement qu'au final, on le mette deuxième. Mathieu l'a dit, 5 ans, 5, 100 buts. Très franchement, rien à dire. Bilan parfait. Un mec, il arrive, toute compétition confondue, tu sais que tu auras tes 20 buts dans des gros matchs, qu'il va faire ce qu'il faut sur le terrain. Franchement, qu'est-ce que tu veux dire? Capitaine du titre en 2010, non. Deuxième place amplement méritée. Merci pour tout, Mamadou. C'est là ce qu'on peut dire. Et pas merci pour les plantages dans Passe ton ballon, mais merci quand même. Voilà, c'est ça. Écoute, on a dit que du bien de toi, Mamadou, là. Donc si tu nous écoutes, t'es toujours le bienvenu. Les gars, on passe au premier, donc vous l'avez deviné, forcément. Et d'ailleurs, c'est le seul qui a fait l'unanimité, on l'a tous mis premier, les gars. Donc je pense que ça a été une évidence pour chacun. C'est évidemment Steve Mandanda, qui est premier de notre top 30. Le joueur le plus emblématique du 21e siècle pour l'OM. C'est Mandanda pour nous. Je sais pas, on va demander à celui qui a eu longtemps comme pseudo Twitter Mandanda Amour de nous parler de lui rapidement. Alors, ne fais pas une déclaration d'amour trop longue, Idriss. Non, ça va être très court. Attends, il s'appelait Mandanda Amour ? Oui, oui, tout à fait. Oh là là. Premier arrobas Twitter, c'était Mandanda Amour. Ouais. Mais t'as pas honte ? Non, pas du tout. Et t'assumes ça ? Écoute, je vais faire très court, Mathieu. Tout le monde connaît mon amour pour ce joueur. Je pense qu'à part sa mère, il n'y a personne qui l'aime plus que moi sur cette terre. Donc, son fils, peut-être. Non, même pas. Il y a beaucoup de joueurs qui ont pour joueur préféré Modric, Isco, Pirlo ou d'autres Ahuris qui ont Özil. Moi, c'est Mandanda. C'est mon gardien préféré, c'est mon joueur préféré quand il arrive à l'OM, j'ai 11 ans et que quand je suis gardien à cette époque-là, j'essaye de faire le maximum pour ressembler à Mandanda. J'ai même pris beaucoup de poids arrivé à l'adolescence. Ah, c'est pour ça. Mais non, c'est juste, voilà, c'est mon gardien préféré. Après, il y a beaucoup de choses hors terrain qui me gênent depuis que je suis un peu de l'autre côté. Comme le fait qu'il passe au McDo d'Aix un samedi matin à 7h. Ça, je m'en fous, à la limite, ça le regarde. Non, moi, c'est plus les trucs politiques sur tel joueur. Il a influé sur pas mal de mercato un jour, Mandanda, quand on pourra en parler. Aussi sur des décisions de coach aussi, grâce à son agent. Bref, c'est un gros politicard, certes. C'est Uto, son agent, non ? Non, c'est le fils de Roland Courbis. Ah. Et okay. Bref, c'est on a fait le classement des joueurs les plus marquants au 21e siècle. C'est tout simplement le joueur qui a porté le plus de fois le maillot dans l'histoire du club. Pour un club qui a 120 ans d'histoire, je trouve que c'est quand même pas mal. C'est le meilleur gardien de la Ligue 1 au 21e siècle. C'est le capitaine, c'est mon joueur préféré, voilà, c'est Mandanda, donc voilà, numéro 1. Il y a débat, mais c'est sans doute le plus grand gardien de l'histoire du club aussi. Il y a des anciens qui vont t'avouer Barthez, mais aussi parce que Barthez est sans doute le meilleur joueur du match le plus important de ton histoire. Oui, voilà, bien sûr. Moi, j'accepte, malgré que Mandanda soit mon joueur préféré, j'accepte qu'on le mette deuxième. Mais Barthez, c'est quand même au-dessus intrinsèquement que Mandanda. Peut-être. Dans le foot d'aujourd'hui, Mandanda, Barthez serait. Vous verrez que Barthez aurait beaucoup plus de limites. Barthez est un bien meilleur gardien sur sa ligne, mais intrinsèquement, en termes de complément, Mandanda est un gardien beaucoup plus complet et bien meilleur. Et après, à la limite, on pourrait en faire une émission dédiée. Mais voilà, bref. Ça n'a pas sens de comparer les époques. Tu ne peux pas comparer les époques. Ce n'est pas les mêmes conditions d'entraînement, etc. C'est quand même un des postes qui a le moins évolué avec le temps. Même s'il a pris de plus en plus d'importance. Tu rigoles ou quoi? C'est un des postes qui a le plus évolué ces dernières années. En termes de juste d'arrêt de gardien, non, je suis désolé. Les gars, on reste sur Mandanda. Restons sur Mandanda, les gars. Ouais, il dévie tout le temps les sujets, lui aussi. C'est un des deux meilleurs gardiens. Après, je débat avec Mandanda d'amour, là. C'est biaisé. C'est un des deux meilleurs gardiens de l'histoire du club. Et moi, j'ai célébré bien trop d'arrêts comme début. Merwan sur Mandanda. Je suis d'accord avec Idriss. Sincèrement, gros affect. Après, je trouve que ces dernières années, c'est un peu plus compliqué. J'ai un peu plus de mal à le kiffer parce que j'ai l'impression que ses mauvais côtés ressortent quand même pas mal.
En tout cas, moi, je sais que... Enfin, je pense, en tout cas, ces dernières années, on a quand même beaucoup vu un gardien qui, mentalement, n'était pas aussi solide qu'on le pensait. Je pense que, quand même, ces périodes basses, elles se sont vues. Et je trouve, en tout cas... Enfin, moi, ce qui me dérange, c'est un peu son esprit un peu défaitiste, un peu bougon. J'ai toujours eu du mal avec sa communication. Je l'ai trouvé assez, je le trouve assez acerbe avec les journalistes. Pas forcément très sympa. Et aussi, j'ai l'impression que... Il va avoir un petit peu la concurrence mauvaise, pas forcément avec son concurrent direct. Paul Lopez a témoigné, pour le coup, on ne peut pas se mettre en travers de ça. Mais j'ai l'impression que quand ça ne va pas pour lui, il va essayer un petit peu de faire aucun effort en fait, pour que ça aille mieux et peut-être même savonner des planches. Et j'ai l'impression, en tout cas, moi, c'est un côté qui me dérange un petit peu avec lui. Et visiblement, ça recoupe un petit peu ce que dit Idriss avec son activisme un petit peu en coulisses. Et je sais que ces dernières années, je n'ai pas le même affect que j'avais avant avec... avec Mandanda, où je trouvais par exemple que je ne voyais pas, je ne vois toujours pas d'ailleurs, ce qu'avait Lloris en plus de Stan Mandanda. Voilà. Ama ? Moi, j'en ai rien à péter des trucs politiques et tout. Je retiens juste que voilà, c'est le joueur le plus capé de l'histoire de l'OM. Évidemment, quand tu restes autant de temps, on n'est pas dans le monde des bisounours. Hein. Tout le monde a des travers, lui, c'est ça, mais. En soi, il nous a sorti de tellement de galères. Il y a des saisons où s'il n'est pas c'est là, vrai. L'OM aurait été très, 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 très mal. Saison Mitchell, t'es en Ligue 2 sans lui. Ben oui, oui je pensais à celle-là notamment. Il a été élu plusieurs fois meilleur gardien de Ligue 1. C'était amplement mérité. Voilà, le public l'a adopté, même là actuellement. Le vent a tourné en sa défaveur, mais les supporters ne l'ont pas oublié. Continue à. Eric Gimeco avec nous ce soir. Non, mais c'est vrai, non, j'allais dire que les supporters. J'aime bien ce que fait Paul Lopez, hein, attention, mais les supporters chantent pour lui à chaque match quand même, à la fin du match. Donc ça montre que voilà, il restera toujours dans nos cœurs, même s'il si oui, est peut-être amené à partir là au mercato d'hiver ou à la fin de la saison. Tu peux pas ne pas le mettre premier. D'ailleurs, on a tous été unanimes et c'est qu'il y a une raison. Et j'espère que les gens, justement, ne vont pas oublier l'importance qu'il a eue pour ce club par rapport à sa période actuelle où il est moins bien. Mais bon, il est en fin de parcours et ça arrivait à tous les joueurs sur cette planète, c'est tout. C'est très juste ce que dit Axel. Il nous dit, vous avez beaucoup parlé de départ raté dans cette émission. Ça risque d'être une fin gâchée, là encore, malheureusement. Et ça tombe bien qu'il dise ça parce que c'est ce que je voulais dire. Moi, j'ai une peur, là. J'ai peur que ça... Ça se termine mal en fait. J'ai peur de la fin pour Mandanda. Je sais pas, ou qu'il y ait Monaco qui parte par la petite porte, tu vois. Moi j'aurais aimé en fait, pour moi, le départ que doit avoir Mandanda, c'est j'arrête ma carrière à l'OM dans un dernier match au Vélodrome, stade plein, je suis acclamé, je fais le tour. Ça dépendra que d'une chose, de l'honnêteté de Didier Deschamps. C'est que j'en ai parlé sur le plateau du Fosséen, Mandanda, si départ il y a. C'est qu'en fait, il veut savoir s'il a une chance d'être dans les 23 pour la Coupe du Monde au Qatar. Donc, pour être dans les 23 pour la Coupe du Monde au Qatar, il a besoin de jouer. Donc, normalement, il s'est déjà entretenu, mais on n'a pas encore eu les retours avec Deschamps. Si Deschamps lui dit, si tu joues et que tu es performant, tu viens, il va chercher à partir. Parce qu'il va vouloir jouer, il sait qu'à l'OM, malheureusement, il ne peut plus jouer. Mais si Deschamps lui dit, écoute, moi, j'ai tourné la page, maintenant, il y a Maignan, truc. Bah écoutez, Mandanda, il va rester sur le banc de l'OM, il va continuer à encaisser son petit salaire et il va jouer les 5-6 matchs qu'on va lui demander de jouer cette saison. Bah, tu sais quoi, j'espère que ce sera ça. Franchement, j'imagine ça dépendra que je ne veux pas entendre de notre départ. Le kidnapping émotionnel. Mais ça oui, dépendra mais que de ça. Mais vraiment, moi, ça me briserait. Mais pour le coup, aussi, vraiment. Mais pour le coup, il lui reste encore 2 ans et demi de contrat parce qu'il avait lissé son contrat. Je pense que la dernière année, il ne la fera pas. Je pense qu'au maximum, il reste 1 an et demi dans la carrière de Mandanda. Et comme Mathieu. Je demande juste à ce qu'on entoure dès le mois d'août prochain la date du dernier match au Vélodrome, que je prenne déjà mes places et que j'aille vivre ça directement au stade et que ça soit une vraie belle communion. Tu pleures ou pas? Tu pleures non, ou pas quand même pas, je suis un homme aujourd'hui. Ah, petite larme, mon homme d'amour. Non, vraiment, mais je pense que s'il y a moyen de descendre dans les vestiaires pour lui faire un gros calinou, il y a moyen. Ouais, franchement, il mérite pas une autre sortie. Comme l'a dit Axel, on a trop eu de départs ratés, d'histoires qui se terminent mal. Franchement, celle-là, il faut qu'elle se termine bien. C'est beau. Et puis, de toute façon, quoi qu'il arrive, attention, le joueur a aucune envie de quitter la région et il a aucune envie de quitter le monde du football. Donc, croyez-moi, même s'il finit son dernier match ailleurs, il restera à l'OM derrière. Il va passer diplôme d'entraîneur parce qu'il a envie de devenir éducateur, apparemment. Donc éducateur ou vraiment entraîneur de haut niveau? Pour l'instant, ça le chauffe de partir avec les petits. Donc on verra, hein, mais il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Mais
Mandanda sera toujours dans l'environnement du club. Et j'aime à penser ou j'aime à croire que c'est une bonne chose. N'oubliez pas, l'une de mes prédictions qu'on avait fait là dans notre émission un peu Uchronie, pas Uchronie, mais plutôt prédiction cette saison, Mandanda prend sa retraite cette saison, pour moi. Parce que peu de temps de jeu et il va se rendre compte que ça va être chaud pour la Coupe du Monde. Ouais, pourquoi voilà. pas. Mais je pense qu'il va essayer de se battre pour la Coupe du Monde jusqu'au dernier moment. Mais bon. C'est quoi le dernier match cette saison là? Je sais pas. Vélodrome. Faudrait qu'on regarde, tiens. Attends, je vais regarder. Parce qu'imaginez, oui, c'est pas farfelu. Hein, ce que, ouais, ce non, que tu complètement. Dis, mais Ron a raison. Hein. C'est complètement faisable. Ce serait un Marseille-Strasbourg. J'espère que vous pensez la même chose quand je vous ai dit que Balardi allait perdre sa place. Et c'est fait. Donc voilà. Et moi j'avais dit que Sampaoli démissionnerait, donc on en est pas loin. Ouais, on n'est pas proche non plus. Ouais, et voilà. J'ai dit que Milik allait faire une saison à 30 matchs. Voilà, ouais, ouais, je pense qu'à la fin de l'année, on ferait un retour sur nos prédictions. Je pense qu'il est vraiment bien, je pensais pour l'instant. Ouais, bon. On a sorti des saucisses aussi, je pense. Mandanda est le meilleur gardien du monde, voilà, moi je l'aurais dit. Voilà, donc le top 30, voilà, c'est Mandanda qui conclut ce top 30. On vous mettra le petit visuel demain, là, Amaïa, s'il va faire ses devoirs. Et on t'as le très bien géré par Mandanda, j'en profite pour le souvenir. Ah ouais, très bien géré. Contrairement à certains membres de l'émission. Un seul membre, moi ça va. Auquel je m'incorpore. Moi, elle est bien gérée, on l'a croisé direct, c'est toi qui te bats. Donc voilà les gars, je rappelle le podium, donc Mandanda premier, Young deuxième et Drogba troisième, donc de ce top 30 des joueurs les plus marquants au 21e siècle. On a pété le record de l'émission la plus longue de l'histoire. Ouais, elle a été longue, c'est la même. 1h45. Il fallait s'attarder sur ça. Ça méritait. C'était mérité. On va pas bâcler Mandanda ou Niang ou Drogba. Alors les amis, on en a déjà parlé. On a d'autres idées d'émissions comme ça. Il y a bien évidemment le top 30, c'est des pires qui vont arriver. Ah ouais, alors celui-là, mais je pense que ça va être drôle. On est en train d'en dessiner les contours. On est en train d'en dessiner les contours, de savoir vraiment quels critères on choisit. Mais il y a d'autres émissions de top 10 qui vont débarquer. On prendra juste un thème de 10. Je pense que le concept top 30, on va le garder pour le top 30 des plus grands joueurs. Mais des émissions un peu top 10 de temps en temps comme ça, on pourra en faire, notamment sur des maillots et tout. Donc restez là. Ah, c'est pas mal les maillots, tiens. Hâte d'être au pire, sincèrement. Ah ouais, les pires, ça va être quelque chose. Ça sera pour 2022, là, en deuxième partie de saison. On va vous offrir ça encore là. Une mini-série sur le même format, hein, 3 épisodes avec à chaque fois une partie du classement. Et puis voilà, je pense que ce sera drôle. Les gars, plus rien à rajouter sur ce top, on peut conclure? Si, Mandanda est le meilleur, voilà. Non, je rêve de voir Mandanda marquer sur penalty, ce qu'il a toujours voulu faire. C'est vrai, il a dit je veux mettre un but avant de prendre ma retraite. Ça serait mérité. Imaginez, au Strasbourg, là, on mène 3-0 et non, c'est impossible. Mais on mène 3-0 avec cette équipe, on tire jamais. Non, au c'est impossible. T'as vu comme je me suis corrigé. On sera pas au stade surtout, donc bon. Ouais, putain, ah ouais, c'est... putain, Castex. Ah. Ça part en micro, là. Mais merci à tous d'avoir été là dans le chat. Vous êtes encore très nombreux. Le Marx, Axel, Azir, Ludwig, Jipad, vous étiez tous là. Merci beaucoup pour votre présence. Jayumi aussi qui était là. Et puis, merci. Si vous écoutez cette émission en replay, bah écoutez, n'hésitez pas à nous envoyer vos top 30 d'ailleurs hein, sur Twitter, on lira avec grand plaisir. Bah messieurs, nous on se retrouve la semaine prochaine alors pour une émission normalement. Aucune idée du thème, mais on trouvera bien quelque chose d'ici là. Et puis bah, écoutez, passez un bon réveillon, un bon boudin comme on dit ici, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Salut.